Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kuro Sayaka. Salut Niki, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on se retrouve pour la suite, la cinquième partie du stream de lecture sur l'avocat du diable de Maurice West. Comment va? Je crève de chaud. Littéralement, je suis en train de crever de chaud. Normalement, la vague de chaleur se termine ce soir ou demain matin. Heureusement, mais là, j'en peux plus. Je suis capoté. Éteins le feu. Pour quelqu'un qui manie le feu, justement. Ah, si seulement. Mais bon. J'ai envie de tirer dans le soleil, là. J'ai envie de lui faire piou-piou. Mais bon. Enfin, bref. Mais ouais, sinon, ça va, par cette chaleur qui m'empêche de bien dormir et tout. On fait avec, hein. C'est l'été, hein. On va pas. On va pas s'en plaindre, si on va s'en plaindre, mais voilà, pour une fois qu'on a de la chaleur l'été. Sinon, et toi, comment ça va? J'espère que le ventilo ne s'entend pas trop, parce que là il est directement sur ma trogne. Il est en train de me faire coucou. Ça va, comme toi, je dis à chaud. Oh, vivement quand même que ça se passe. Mais bon. C'est le mois d'août. Vivement septembre. Enfin, octobre, du coup. Je sais septembre. J'ai pas. Bref. Sinon, ça va mieux. T'as pu te reposer, Niki? Je profite un peu de discuter. Après, je vais être en train de la lecture. Donc. Alors, le micro, est-ce qu'il est bon, le micro? Enfin, est-ce qu'il est bien placé? Ouais, ça va. Ok, j'ai les alertes. J'ai Discord. Ok, c'est bon, pour moi, c'est bon. Un petit peu, il y a même si j'ai toujours dans l'écran, j'ai posé certaines choses, même si tu connais quoi. Ouais, j'ai pu voir sur Twitter. J'y vais de temps en temps. Mais j'ai pu voir quelques messages. Tu m'en diras, tu me préviendras quand tu auras des nouvelles. Pour l'instant, j'ai rien vu sur le. Sur le planning. Donc soit c'est pas encore fait, soit c'est ma main qui n'a pas encore. Mais bon. Des petits lapsus. Ouais, trois fois rien. C'est pas grave les lapsus. C'est juste pour l'élite. Ouais, pour moi les lapsus c'est pour l'élite. C'est pour ceux qui sont toujours présents. Ils ont le droit à des petits avantages. Bon. Oh, c'est tout chaud. Voilà, c'est bon, ça devrait aller. Let's go de la lecture. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai quasiment pas parlé aujourd'hui. J'ai même pas fait aller ma voix, je me suis même pas échauffé. Ça va promettre. L'avocat du diable de Maurice West. Chapitre 10. Le lendemain matin, de bonne heure, pendant que Nina Sanduzzi balayait et astiquait dans sa villa, Aldo Meyer était assis sous le figuier et parlait à Paolo. L'entretien commença de façon embarrassée. Le garçon était morose et renfermé, et les premières questions trébuchantes du docteur ne firent rien pour gagner sa confiance. Il gardait les yeux fixés sur le dessus de la table, mâchait nerveusement une brindille et répondait en marmottant à voix basse, de telle sorte que Meyer était forcé de lutter pour contrôler son irritation et garder le ton amical et approprié dans sa voix. Ta mère t'a parlé d'un travail pour toi chez la comtesse? Oui. Tu sais que la jeune Rosetta va travailler à la villa elle aussi? Oui. Quel est ton sentiment là-dessus?
Je suppose que c'est bien. Tu veux y aller ou non? Ça m'est égal. Le salaire n'est pas mal. Tu seras même d'aider ta mère et il vous en restera encore quelque chose. Oui, je sais. Ceci signifie que tu deviens un homme, Paolo. Le garçon haussa les épaules et se mit à se curer les dents avec la brème vide. Meilleur but une gorgée de café et alluma une cigarette. La prochaine manœuvre était la plus importante. Il espéra ne pas la gâcher. Un moment après, il dit avec toute la douceur possible. Le début de la vie d'un homme en est la partie la plus importante. Habituellement, c'est le travail du père d'engager son fils dans le droit chemin. Tu es orphelin aussi. J'aimerais bien t'aider à la place de ce père. Le garçon leva les yeux pour la première fois et regarda le docteur en face. Il y avait du défi et une légère hostilité dans son regard. Sa question fut brusque et peu amicale. Pourquoi vous en soucierez-vous? J'essaierai de te le dire, répondit Miller avec calme. Si je ne te convainc pas, pose-moi n'importe quelle question. Avant toute chose, je n'ai pas de fils. J'aimerais bien en avoir un. Tu aurais pu être le mien, car autrefois j'ai aimé ta mère. Je l'aime toujours beaucoup. Toutefois, elle a choisi ton père, et ce fut ainsi. Je connaissais ton père. Nous avons été amis pendant quelque temps, puis nous sommes devenus ennemis. J'ai trempé dans sa mort. Je le regrette à présent. Si je peux t'aider, ce serait une dette que je lui paierai. Je n'ai pas besoin de votre aide, lui dit rudement le garçon. Nous avons tous besoin d'aide, lui dit tranquillement Miller. Tu en as besoin parce que tu t'es compromis avec l'anglais et que tu ne sais tout ou pas du tout ce qu'il faut faire à ce sujet. Paolo Sanduzzi demeura silencieux, regardant la bradine tordue dans sa main. Miller continua. Je veux t'expliquer quelque chose, Paolo. Tu sais comment sont les hommes et les femmes. Tu sais comment ils en arrivent à s'embrasser et à se caresser. Il y a ce qui se passe entre eux quand ils sont en amour. Tu sais ce que tu ressens lorsque tu regardes une fille dont la poitrine s'est développée et que cette fille commence à marcher comme une femme. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est comment tu peux ressentir cela pour Rosetta et aussi quand l'anglais te touche. De nouveau, le garçon releva brusquement la tête sur la défensive. Il n'y a rien entre l'anglais et moi. Il ne m'a jamais touché. Parfait, lui dit calmement Miller. Alors il n'y a rien dont tu puisses avoir honte. Cependant, tu devrais savoir que lorsque le cœur d'un homme s'éveille, et son corps aussi, ils peuvent être inclinés d'un côté ou de l'autre, comme le vent fait pencher un arbrisseau. Mais après un certain temps, l'arbrisseau se renforce et devient dur comme un arbre. Alors, il ne peut plus être plié, mais pousse librement dans sa forme à lui. La voie convenable pour un homme qui grandit est du côté de la femme et non du côté d'une féminella. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester avec le peintre. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Salut Lucna, merci pour le pat-pat. Il s'est affiché le pat-pat, j'ai pas vu. Alors pourquoi m'envoyez-vous travailler à la villa? Il est là tout le temps. Il me fait peur. Il me donne le sentiment de ne pas savoir ce que je veux. Qui veux-tu? Lui ou Rosetta? Je veux m'en aller de Diemelo, cria le garçon sauvagement. Je veux aller quelque part ailleurs, où les gens ne savent rien de moi, ni de ma mère, ni de mon père. Croyez-vous qu'il me plaît d'être appelé le bâtard d'un saint, le fils d'une prostituée? C'est pour cela que je veux rester avec l'anglais. Il peut faire cela pour moi. Il peut m'emmener à Rome, me donner un nouveau départ dans la vie. Et à Rome, ils te colleront une plus sale étiquette encore, et tu ne pourras jamais t'en débarrasser, partout où tu iras. Écoute-moi, mon garçon. Le docteur continua d'une voix basse, passionnée. Essaie d'être patient avec moi. Essaie de comprendre ce que je vais dire, ce que je vais te dire. Ta mère est une honnête femme, 10 fois plus honnête que celle qui lui donne ce nom de prostituée. Quoi que ce soit qu'elle ait fait, elle l'a fait par amour.
tandis qu'une prostituée est une femme qui se vend pour de l'argent. Ton père était un homme avec de la grandeur en lui. Et je te dis cela, moi, l'homme qui ai aidé à le faire tuer. Alors pourquoi n'a-t-il pas épousé ma mère? Et ne m'a-t-il pas donné son nom? Avait-il honte de cela? Ou de nous? As-tu jamais demandé cela à ta mère? Non. Comment l'aurais-je pu? Alors, je crois que nous devrions le lui demander maintenant, dit Aldomelia. Sans attendre une réponse, il appela à voix haute. Nina, venez ici un moment, s'il vous plaît. Nina Sanduzzi vint de la maison et le garçon, les yeux effrayés, la regarda s'approcher. Asseyez-vous, Nina. Elle s'assit entre eux, les yeux graves, interrogateurs, allant de l'un à l'autre. Meilleur lui dit sobrement. Le garçon a posé une question, Nina. Je crois qu'il a le droit à la réponse. Vous êtes la seule à pouvoir y répondre. Il veut savoir pourquoi son père ne vous a pas épousé. Me croiras-tu si je te le dis, mon enfant? Le garçon leva les yeux, troublé et honteux, et inclina silencieusement la tête. Nina Sanduzzi attendit un moment, rassemblant son courage et ses mots, puis une fois ferme, elle le lui expliqua. Blaise Meredith s'agitait lui aussi de bonheur en cette matinée de printemps. Après sa crise dans la maison du docteur, il avait dormi d'un sommeil plus calme que d'habitude. Et lorsque le domestique vient lui apporter son café et ouvrir les rideaux sur le jour nouveau, il décida de se lever et de commencer son travail. Il but son café, mangea un peu de pain frais et du beurre salé de la campagne, prit son bain, se rasa et descendit lire son office au soleil. Son devoir liturgique terminé, il serait libre de commencer ses entrevues avec les témoins. L'avertissement de Meilleur était encore vivace dans son esprit. Son temps était plus court qu'il ne l'avait espéré, et elle ne pouvait se permettre d'en perdre une minute. Il fut content que la comtesse et Nicolas Black soient encore au lit. Les salutations rituelles et les banalités du petit déjeuner lui seraient épargnées. Il avait fini de réciter les matines et en était à la moitié des deux. Quand il entendit un bruit de pas dans l'allée sablée, il leva les yeux. Une femme et un garçon se dirigeaient vers l'arrière de la maison. La femme était habillée à la mode paysanne, la vêtement noir sans forme, et un mouchoir d'indienne était lié autour de sa tête. Le garçon portait une chemise rayée et un pantalon rapiécé, et avait aux pieds des sandales de cuir usé. Il marchait de façon incertaine, regardant d'un côté et de l'autre, comme s'il était surpris par la splendeur de ceux qui l'environnaient après l'aride nudité du village. La femme marchait fièrement, la tête haute, les yeux droits devant elle, comme si elle était déterminée à s'acquitter avec dignité d'une tâche ennuyeuse. Meredith fut frappée par la sérénité du visage au trait classique, arrondi par l'âge, mais gardant encore la beauté de la jeunesse. « Ce doit être Nina Sanduzzi, » jugea-t-il. Le garçon, le fils de Giacomo Nerone, qui, lui avait dit Meilleur, était l'objet de la conspiration de séduction tramée entre la comtesse et Nicolas Black. Il devrait attendre longtemps avant que la comtesse soit levée et prête à les recevoir. Mû par une soudaine impulsion, il posa son livre et appela. « Signora Sanduzzi !» Ils s'arrêtèrent net et se tournèrent pour le regarder. Il appela de nouveau. « Pouvez-vous venir un moment, s'il vous plaît ?» Ils se regardèrent avec incertitude, puis la femme avança à travers la pelouse. Le garçon, la suivant de quelques pas en arrière, Meredith se leva pour les saluer. « Je suis Monseigneur Meredith de Rome. » « Je sais, » répondit tranquillement la femme. « Vous êtes venu hier. C'est mon fils, Paolo. »« Je suis heureux de vous connaître, Paolo. » Meredith tendit la main et, après un coup de coude de sa mère, le garçon la prit mollement. « Vous savez pourquoi je suis ici, signora ?»« Oui, je sais. »« J'aimerais avoir un entretien avec vous, le plus tôt possible. »« Vous me trouverez chez le docteur. » Ou chez moi. Alors je pensais que nous pourrions peut-être parler à présent. Nina Sanduzzi secoua la tête. Nous devons voir la comtesse.
Paolo commence à travailler aujourd'hui. Meredith sourit. Vous attendrez longtemps. La comtesse n'est pas encore levée. Nous sommes habitués à attendre, lui répondit-elle. Par ailleurs, je ne parlerai pas avec vous ici. Comme vous voudrez. Mais lorsque Paolo travaillera ici, vous pourrez lui parler. Ce sera différent. Bien entendu. Puis-je venir vous voir aujourd'hui? Si vous voulez. Je suis chez moi dans l'après-midi. Nous devons nous en aller maintenant. Viens, Paolo. Elle s'éloigna sans dire un mot de plus. Le garçon la suivit et Meredith les regarda partir jusqu'à ce qu'ils eussent disparu derrière la lumière. Aussi bref qu'ait été leur rencontre, la femme avait fait une profonde impression sur lui. Elle avait quelque chose comme de la sérénité, de la réserve, de la sagesse peut-être. Elle marchait et parlait comme une femme qui savait où elle allait et comment elle y parviendrait. Elle n'avait ni l'impudence effrontée de certaines paysannes, ni l'habituelle humilité que des siècles de servitude avaient imposée à d'autres. La langue qu'elle employait était le dialecte le plus rude d'Italie. Pourtant, sa voix était douce et étrangement mélodieuse, même dans son refus brusque. Si Giacomo Nerone lui avait appris cela, il devait alors, durant sa vie, avoir été un homme bien supérieur à la plupart des autres. Meredith se rendit compte que son attention errait de la cadence latine des psaumes à la considération de deux éléments importants dans la vie si peu précise de Giacomo Nerone. Le premier était l'élément de conflit. C'était un axiome de l'Église. Le premier signe de la sainteté était l'opposition qu'elle soulevait même parmi les honnêtes gens. Le Christ lui-même avait été un signe de contradiction. Sa promesse n'était pas la paix, mais l'épée. Nul saint dans le calendrier n'avait pratiqué le bien sans rencontrer d'opposition. Aucun d'eux n'avait échappé aux détracteurs et aux calomniateurs. L'absence de cet élément dans les comptes rendus de Battista et de Saltarello l'avait préoccupé. Maintenant, il commençait à réaliser l'existence de cet élément, sa forme et sa complexité. Le second élément était également important. Le bien ou le mal réel qui découlait de la vie, des œuvres et des merveilles d'un candidat aux honneurs de la sainteté. Là aussi se trouvait un axiome, l'axiome biblique, qu'un arbre se reconnaît à ses fruits. La sainteté d'un homme laisse son empreinte, comme un sceau, dans le cœur des autres. Une belle œuvre se reproduit comme une graine de fruits dans un autre. Un miracle qui ne produit pas de bien dans le cœur humain est un tour insignifiant de prestidigitation, indigne de l'omnipotence. S'il y avait du bien en Nina Sanduzzi, et si ce bien était né dans ses relations avec Giacomo Nerone, alors on devait en tenir compte, dans le méticuleux calcul de l'avocat du diable. Meredith se pencha de nouveau sur son bréviaire, ses lèvres murmurant les strophes familières du roi poète. Puis, ayant terminé, il ferma le livre, le glissa dans la poche de sa soutane et quitta la villa pour aller s'entretenir avec le père Anselmo. La vieille Rosa Benzoni le reçut à la porte et, après avoir marmotté quelque chose, le laissa entrer dans la maison, où il trouva le vieux prêtre en bas de chemise et bretelles, se rasant maladroitement devant un miroir cassé, cloué au mur de la cuisine. Ses yeux étaient plus larmoyants que d'habitude, et ses mains noueuses tremblaient, tandis qu'il rasait son menton à la barbe dure. Il utilisait un rasoir de modèle ancien, et Meredith s'étonna qu'il ne se soit pas encore coupé la gorge avec cet instrument. Il salua Meredith froidement. « Bonjour, que voulez-vous ? » « J'aimerais bien vous parler, » répondit doucement Meredith. « Je vous écouterai. Quoique, je ne vous promette pas de répondre. » « Il vaut mieux que nous soyons seuls, ne croyez-vous pas, suggéra Meredith. » Le vieillard eut un petit rire, puis jura parce qu'il s'était blessé. « Vous voulez dire Rosa ? Elle est à moitié sourde, et je doute fort qu'elle comprenne un mot de ce que vous dites. Alors vous parlez avec un grain romain dans la bouche. De plus, elle a un mauvais caractère, et je dois vivre avec elle. Allez, mon vieux, et dites ce que vous avez à dire. »
Eric haussa les épaules et reprit. Sur le sujet de Giacomo Nerone, j'ai remarqué à la lecture des premiers rapports que vous aviez refusé de donner tout témoignage sur lui. Est-ce parce que vous étiez son confesseur? Non. Je n'ai pas aimé les individus qu'ils ont envoyés ici. Des blagueurs au long nez, tous les deux. M'ont fait un long discours sur le jour du jugement et de damnation. Je les ai renvoyés avec une puce dans l'oreille. De plus, qui diable se soucie de ce que je peux dire? Je suis le scandale du diocèse. Les scandales ne m'intéressent pas, lui dit calmement Meredith. Le vieillard posa son rasoir et se passa une serviette sale sur le visage. Il dit rudement. Alors, vous êtes le premier que je vois à ne pas s'y intéresser, Seigneur, comme ils les aiment, eux. Donnez-leur un peu de saleté, ils se jettent dessus comme des chiens sur un os de jambon. J'ai reçu une lettre de l'évêque me disant qu'il espérait que mes relations avec Rosa avaient perdu de leur caractère charnel. Il eut un rire fort et strident. Combien de temps se figure-t-il qu'un homme peut continuer cette sorte de choses? À mon âge, le mieux que l'on puisse espérer est d'être réchauffé la nuit. À votre âge, monsieur Meredith avec douceur, la plupart des gens mariés dorment dans des lits séparés. À Rome, peut-être, grommela le père Anselme. Mais ici, nous n'avons pas les moyens d'acheter un autre lit sans parler des deux couvertures. Écoutez, il jeta la serviette avec un geste d'impatience. Nous ne sommes pas des enfants, monseigneur, pas plus que l'évêque. Je n'aime pas la situation dans laquelle je me trouve, mais à mon âge, comment m'en sortir? Je ne peux pas jeter Rosa à la rue. C'est une vieille femme. Elle a été bonne pour moi. Quand un tas de mes damnés frères en religion ne se seraient pas souciés de savoir si j'étais vivant ou mort. Je ne suis pas riche, Dieu sait, mais elle a le droit à la moitié de ce que je possède. Son éminence peut-il répondre à cela? Meredith était ému. Le dilemme de cet homme, posé dans toute sa nudité, était effrayant. Pour la première fois de sa vie de prêtre, il commença à comprendre le vrai problème du repentir. Lequel problème ne signifie pas le péché même, mais les conséquences qui en découlent et se multiplient comme des parasites sur un arbre. L'arbre ne peut y remédier, mais il doit continuer à donner de sa vie aux parasites, profitant de sa beauté, mais mourant lentement et continuellement par manque de jardiniers compétents. Il était affolant de penser qu'un homme pouvait tomber dans le désespoir et la damnation parce qu'il ne pouvait s'acheter une paire de couvertures. Soudainement, le cas de Giacomo Nerone sembla petit et insignifiant auprès de celui du père Anselme. Si Giacomo Nerone était un saint, il avait bien de la chance. Il en avait fini avec la longue lutte. Tout le reste n'était que close et de faible importance. Une pensée subite frappa Meredith, mais hésita à l'exprimer à voix haute. Au bout d'un moment, il dit prudemment. Son éminence est un homme surprenant. Il aimerait bien vous aider. Je crois, je suis sûr, si vous installiez Rosa dans un autre lit et dans une autre chambre, il accepterait cela et oublierait tout le reste. Le vieillard secoua la tête avec obstination. Qui paiera le lit et les couvertures? Vous ne semblez pas comprendre. Nous vivons de façon très misérable ici. Nous avons juste de quoi manger. Je vous propose quelque chose, lui dit Meredith avec un sourire forcé. Je les paierai. Et je vous donnerai suffisamment de quoi vous équiper, Rosa et vous, de quelques vêtements neufs. Et je mettrai 100 000 lire en votre nom à la banque de la Calabre. Cela vous aiderait-il? Le père Anselmo lui lança un rapide regard méfiant. Et pourquoi auriez-vous cela tellement à cœur, monseigneur? Meredith haussa les épaules. Je dois mourir dans 3 mois. Je ne puis rien emporter avec moi. Les yeux larmoyants le regardèrent incrédule. La rude voix paysanne lui demanda de nouveau. Que dois-je faire d'autre? Rien. Si vous voulez vous confesser, je vous écouterai volontiers. Vous n'avez pas beaucoup à me raconter que je ne connaisse déjà. Aussi, cela ne devrait-il pas être trop pénible. Quoi bon vous arrêter à mi-chemin? Vous devez mettre votre conscience en ordre, un jour ou l'autre. L'évêque parle de réparer le scandale. Il y avait encore des doutes dans la voix, mais le ton rude et obstiné en avait disparu. Meredith lui dédia un de ses rares et spirituels sourires. L'évêque est un homme qui sait ce qu'il doit faire. Je pense qu'il sait que la plupart des gens provoquent eux-mêmes leur propre scandale. Les bons chrétiens se taisent et prient pour leurs frères en détresse. Bientôt, tout le village saura que vous dormez dans une chambre à part. Le reste viendra de ce que vous ferez par la suite.
Eh bien, qu'en dites-vous? Anselmo frotta d'une main noueuse son manteau écorché. Ses lèvres grimacèrent un sourire. Je suppose que c'est une solution. J'en ai été longtemps préoccupé, mais j'aime cette vieille femme d'une certaine façon, et je ne voudrais pas lui faire de la peine. Je ne pense pas qu'elle m'efface du mal. Je pourrais bien profiter d'un peu d'amour moi-même actuellement. La voix semblait appartenir à un autre homme, et pas à Blaise Meredith, le froid personnage de la congrégation lyrique. C'est bon, dit brusquement le vieillard. J'y penserai. J'en parlerai à Rosa et lui expliquerai les choses. Mais des choses comme celle-là, vous ne pouvez les faire hâtivement. Les femmes sont sensibles, et quand elles vieillissent, elles deviennent également stupides. Ses yeux de vieillard brillaient de ruse. Et quand verrons-nous la couleur de votre argent, monseigneur? Meredith sortit son portefeuille et posa sur la table 31 000 lires. Meredith sortit son portefeuille et posa sur la table 31 000 lires. C'est le commencement. Vous pouvez acheter les couvertures et le lit. Pour le reste, je dois m'arranger à Valenta. Cela suffira-t-il? Est-ce que c'est correct? Et là, est-ce que c'est un peu mieux? Ok, super. Cela doit suffire, dit à contre-cœur le vieil homme. Nous aimerions que la chose soit réglée avant votre mort. Une fois que les avocats mettent la main sur un bien, fini. Tout ce qui reste, c'est des miettes pour les moineaux. Maintenant, que voulez-vous que je fasse d'autre? Giacomo Nerone, que pouvez-vous me dire à son sujet? Salut Doc. J'espère que vous allez bien. Qu'arrivera-t-il si je vous le dis? Je prendrai des notes et puis vous serez interrogé par le tribunal de l'évêque après avoir prêté serment. Je vais vous dire, monseigneur. Attendez que je me confesse à vous. Puis je vous raconterai toute l'histoire. Cela vous va-t-il? Tu m'étonnes. Je suis pareil. Un secret de confessionnal n'est pas admis devant un tribunal. Le vieillard rejeta la tête et rit de son rire fort et strident. C'est ce que je veux dire, mon ami. Ils ont déjà assez de scandales occasionnés par moi. Du diable si je vais leur en fournir un autre. C'est comme vous voulez, dit d'un ton las Meredith. Je viendrai vous rendre visite dans quelques jours. Vivement. Et n'oubliez pas ce que vous devez faire à Valenta. Oh, je n'oublierai pas. Il se leva et s'en alla vers la porte. Il n'eut pas de revoir, pas un mot de remerciement. Et tout en descendant la colline vers la villette du docteur, il eut le désagréable sentiment de s'être rendu ridicule. Meilleur l'accueillit d'un sourire enjoué, le conduisit au jardin et lui versa un gobelet de vin de campagne, d'une cruche en terre cuite, mise à rafraîchir au soleil. Meredith fut rapide à remarquer la transformation du docteur. Ses yeux étaient sereins, son visage tiré était détendu et avait l'aspect réconfortant d'un homme arrivé à un accommodement avec lui-même et avec sa situation. Meredith lui en fit l'observation d'un ton plaisant. « Vous paraissez être mieux ce matin, docteur. » Meilleur rit dans son verre. J'ai bien commencé ma journée, monseigneur. J'ai parlé à un garçon comme un père et entendu des choses sages de la part de sa mère. Nina Sanduzzi. Oui, entre nous, j'espère que nous avons fait quelque chose pour un garçon. Je les ai vus à la villa. Je leur ai parlé pendant quelques minutes. Je vais rendre visite à Nina Sanduzzi cet après-midi. Elle est prête à parler. Parfait. Meilleur inclina avec satisfaction la tête. Je vais vous donner un conseil, mon ami. Allez-y doucement, et vous saurez beaucoup par elle. Elle est disposée à dire la vérité et elle désire que vous surveilliez le garçon pendant qu'il sera à la villa. Je ferai de mon mieux.
Elle m'a fait une profonde impression. Et Paolo? Et comme n'importe quel adolescent. Pas tout à fait, le mit en garde Miller. Il traverse les années dangereuses. Il est curieux également de tout ce qui concerne sa mère et son père. Il est attiré par l'anglais et il a peur de lui aussi. Depuis que nous lui avons parlé de Nina et moi, il n'est plus du tout aussi curieux. Mais quand on est vieux, on ne sait jamais à quel point comprend un jeune homme ou quelles idées lui trottent dans la tête. Et alors, monseigneur, qu'y a-t-il? J'aimerais bien m'entretenir avec vous, docteur. Au sujet de Nerone? Oui. Aldo Meyer prit une longue gorgée de vin et essuya ses lèvres minces du dos de la main. Il dit avec un humour triste. L'usage n'est-il pas de mettre une étole lorsque vous confessez? J'enlèverai plutôt mes chaussures, répondit Blaise Meredith. C'est une longue histoire, monseigneur. Quand vous aurez soif, vous vous servirez. On était en plein été, dans une région sans hommes. Des matins chauds et des midis brûlants, et des nuits où les nuages... Pardon. Je reprends. On était en plein été, dans une région sans hommes. Des matins chauds et des midis brûlants, et des nuits où les nuages grondaient sur la vallée et n'apportaient qu'une étouffante humidité et passaient sans se déverser en pluie. Les tempéraments étaient surexcités et l'énergie faible, car les armées, comme des sauterelles, dévoraient tout ce que donnait la terre. Et il n'y avait plus d'hommes dans les grands lits, rien que des vieillards, soucis de plus et d'occasionnels visiteurs, tels que la polizia et les carabinieri, l'inspecteur agronome et les officiers de l'armée qui venaient réquisitionner. Ces derniers ajoutaient encore au désagrément car, après leur départ, c'était des querelles dans les maisons et dans les champs, des visages ensanglantés et des jupons déchirés. La vallée ressemblait à un nid de chats, musqués et chaudes et languissantes de désir, puis éclatant soudainement en cris et en violence. Meyer y vivait parce qu'il était juif et exilé. Et tous les deux jours, il devait cheminer à travers la vallée jusqu'à Gemello Maggiore pour assurer la Questura qu'il n'était ni malade, ni mort. Il s'en souciait peu dans les deux cas, mais le couvrait d'injures quand il venait le menacer s'il avisait de manquer une fois, et puis lui donner du vin, du fromage et des cigarettes, si leur enfant était malade ou leur ami enceinte ou qu'ils souffraient eux-mêmes de malaria. Il plaisantait grossièrement sur le fait qu'il était juif et circoncis, et le mettait en garde de souiller le sang pur des femmes qui, en bonne calabraise, descendaient des Phéniciens, des Français, des Espagnols, et des Italiens, et des Arabes levantins. De n'importe qui et de tout le monde, excepté des Juifs. Meyer avalait tout cela, et le digérait en secret, et gardait les oreilles ouvertes à toutes les rumeurs qui bourdonnaient comme des abeilles dans la vallée et au dehors. Les alliés occupaient la Sicile, ailleurs, c'était des têtes de pont. Les partisans s'armaient dans les collines, les déserteurs se terraient dans les grottes et des liamis. Les Allemands dépêchaient des renforts au sud. Tôt ou tard, on verrait la fin, et ils voulaient vivre pour la voir. Ils cultivaient ces arpents de terre dure, faisaient la tournée des malades, dormaient à l'heure de la sieste et veillaient tard la nuit sur ses livres et sa bouteille. S'ils se tenaient loin des femmes du village, c'était d'abord parce qu'il était difficile à ce sujet. Et qu'il ne voulait non plus envisager le futur naissant avec les mégères du village à ses trousses. Il avait attendu assez longtemps. Il pouvait attendre un peu plus. Ce fut tard dans la nuit que Nina Sanduzzi vint le trouver. Les pieds nus, pour que l'on n'entende pas le bruit de ses sandales de bois dans le village endormi, elle escada le mur du jardin du côté de la vallée, de peur que quelque fâcheuse attardée ne la voie frapper à la porte du docteur. Elle était au milieu du rond de lumière. Avant qu'il ne fût tiré de sa rêverie pour la voir, il fut saisi et fâché. « Nina ! Que diable faites-vous ici ?» Elle mit son doigt sur les lèvres pour l'empêcher de parler et puis lui expliqua à voix basse dans un dialecte rapide. « Il y a un homme chez moi. Il est déserteur et blessé. Il a une bague dans son épaule toute rouge et enflée. Il s'agite et marmonne comme s'il avait de la fièvre. Voulez-vous venir le voir, je vous en prie ? J'ai apporté de l'argent.
Elle fouilla dans l'encolure de sa robe et en sortit un petit paquet de billets sales. Meilleur les repoussa avec impatience. Gardez-le, pour l'amour de Dieu. Quelqu'un d'autre sait-il qu'il est là? Personne. Il est venu la nuit dernière, je lui ai donné le petit déjeuner et il est resté enfermé tout le jour. Lorsque je suis revenu de mon travail, il était dans cet état. Ouais, c'est bon. Je viens. Il ferma son livre, baissa la lampe et prit sa trousse d'instruments, sa petite provision d'antiseptique, et la suivit en sortant par l'arrière de la villa, par-dessus le mur et vers la petite masseur cachée dans le bouquet de houx. Il trouva le malade délirant dans le grand lit de cuivre, un grand homme brun, ses joues creuses envahies par une barbe de plusieurs jours, les yeux fixes et marmottant des mots et des phrases sans suite que le docteur reconnut pour de l'anglais. Jolie situation. Des déserteurs, c'était déjà bien mauvais, mais un soldat anglais, c'est la mort sans histoire. Il n'en dit rien à la femme, mais se pencha sur le lit et commença à couper les bandages tout trempés de l'épaule blessée. Lorsqu'il la mit à nu, il laissa échapper un long sifflement sourd de surprise. C'était une masse de chair enflée, et une lente suppuration jaune avait déjà commencé. Une délicate et sale opération, sans anesthésie, qui seule allait faire mal. Un mal d'enfer. Et le bonhomme pourrait aussi mourir. C'était une affaire de jours. Il se tourna vers Nina Sanduzzi. Allumez le feu. Faites-moi bouillir une grande marmite d'eau chaude. Ensuite, vous aurez à me le tenir. La femme montra ses dents blanches dans un sourire. Cela fait longtemps que je n'ai pas tenu un homme dans mes bras, docteur. Ce sera avec plaisir. Mais même pour elle, tout plaisir disparut aussitôt. La balle avait pénétré dans l'omoplate et s'était enfoncée obliquement contre l'os. Et Meilleur avait dû la chercher pendant 20 minutes pendant que l'homme criait vainement malgré le tampon qu'il lui avait mis dans la bouche. Et Nina Sanduzzi avait dû employer toute la force pour le maintenir. Puis, quand tout fut terminé et le plus pénible de la souffrance passée, ils l'étendirent dans le lit et le couvrirent. Et Nina et Meilleur s'assirent pour boire un peu de vin et casser la croûte ensemble. Vous ne pouvez le garder ici. Vous savez cela, Nina. Si quelqu'un découvre la chose, vous êtes perdu. Elle le regarda étonnée. Vous voulez que je le jette dehors? Un homme malade à ce point? Plus tard, dit Meilleur d'un ton là, lorsqu'il sera mieux. Attendons alors pour plus tard, dit Nina Sanduzzi avec un sourire. La regardant à ce moment, à la lumière de la lampe, dans cette humble pièce, il avait senti sa première vraie tentation depuis des années. Son visage était du pur type grec. Son corps plus svelte que celui de ses sœurs paysannes. Sa poitrine était pleine et ferme, et sous sa peau olivâtre perçait une vitalité animale. Elle était intelligente aussi, courageuse. Et elle ne se lamentait pas et ne criait jamais comme les autres. Comprenait ce qui était demandé et le faisait avec calme et compétence. Il fut étonné de l'avoir croisée 100 fois sans jamais l'avoir remarquée. Mais il était un homme prudent et habitué à la continence. Aussi finit-il rapidement son vin et se prépara-t-il à servir. À partir, pardon. Salut, Wanya. Il faut comprendre quelque chose, Nina. Il est très malade et il peut mourir. Faites un peu de soupe et voyez s'il peut l'avaler. Quand vous irez travailler, verrouillez la porte. Et laissez-lui du vin et de la nourriture. Je n'oserai pas venir en plein jour, mais je reviendrai la nuit. Lorsque le village se sera tranquille. Vous êtes un homme bon, lui dit doucement Nina Sanduzzi. Dans un lieu plein de cochons, vous vous tenez comme un homme. Elle saisit sa main et la baisa rapidement. Maintenant, Dottor Emilio, partez. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des hommes ici. Tout en grimpant péniblement la pente rocheuse évitant la route, Meilleur se demandait si la continence n'était pas comme tous ses autres sacrifices, une perte inutile. Est-ce Nina ne pourrait pas être une femme avec qui il serait heureux? C'était la chose qu'il avait le plus redoutée durant son exil. La chose que ses ennemis souhaitaient qu'il fasse. Se relâcher, devenir paysan, s'adonner à la boisson et aux prostituées de la région, oublier de se laver ses chemises et de se servir d'un couteau et d'une fourchette en mangeant. Jusqu'aujourd'hui, il était parvenu à éviter tout cela, mais le danger était là, et de lointaines trompettes résonnaient dans les collines. Il valait mieux oublier cela et rentrer pour dormir. Il lui fallut plus d'une semaine pour soigner le malade et le tirer hors de danger. La blessure était profonde et de nouvelles infections s'étaient déclarées. Il avait dû continuer à drainer la plaie avec les moyens primitifs dont il disposait. Il veilla plus d'une nuit avec Nina,
observant la fière remonter et tomber, jusqu'à ce que la prime aube eût pointé à l'est et qu'il fût temps de rentrer avant le réveil du village. Il vint toutes les nuits, sentant le besoin qu'il avait d'elle, éprouvant chaque fois les affres de la jalousie à la laisser seule avec un homme malade qui maintenant avait commencé à manger et à parler un peu entre les accès de fièvre et les longs intervalles d'un sommeil agité. Au début, il fut prudent avec eux, mais quand il comprit la position de Meilleur en tant qu'exilé politique et les risques que la femme encourait pour lui, il se détendit un peu, mais refusait toujours de dire autre chose que l'histoire racontée à Nina le premier jour. Il est préférable que vous n'en sachiez pas davantage. Si l'on vous interroge, vous pourrez répondre sans mentir, bien que j'espère qu'avec l'aide de Dieu cela n'arrivera jamais. Je suis Giacomo Nerone, un artilleur de Reggio. J'essaie de rejoindre ma famille à Rome. Quand serai-je assez fort, docteur, pour voyager? Merci pour le pat-pat. Meilleur haussa les épaules. Une quinzaine de jours. 3 semaines, peut-être. À moins que vous n'ayez une autre infection. Mais où avez-vous l'intention d'aller? Les bruits circulent que les Alliés ont débarqué au nord d'ici et qu'ils avancent depuis Reggio jusqu'à la pointe. Mais ce village est une poche dans les collines. Avec nos soldats en recul et les Allemands en mouvement vers le bas, vous aurez du mal à aller très loin. Votre accent n'est pas calabré. Tôt ou tard, quelqu'un vous posera des questions. À moins que vous ne vous cachiez de nouveau. Et comment vous nourrirez-vous, alors? Nerone sourit tristement, et ils remarquèrent combien son sourire le rajeunissait. À quoi d'autre vous attendez-vous? Je ne peux rester ici. Pourquoi pas? Demanda Nina Sanduzzi. Il y a une maison, un lit et de la nourriture. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même mieux que de mourir dans un fossé d'une autre balle. Les deux hommes se regardèrent. Après un moment de silence, Meilleur approuva de la tête avec hésitation. Elle peut avoir raison. De plus, fit ressortir prudemment l'argument, quand les choses changeront ici, vous pourriez être à même de nous aider. L'homme brun secoua la tête. Pas de la façon dont vous pensez, docteur. Meilleur fronça les sourcils et dit à ton brusque. Vous ne me comprenez pas. Je vous ai entendu parler dans votre sommeil. Vous avez d'autres allégeances, il me semble. Cela pourrait nous être utile plus tard. Ce fut alors au tour de la femme d'écarquiller les yeux. Elle demanda vivement. Que voulez-vous dire, d'autres allégeances? Je suis anglais, répondit Nerone. Et maintenant que c'est dit, oubliez-le. Anglais? Les yeux de Nina s'ouvrirent tout grands. Oubliez-le, dit brutalement Meilleur. C'est oublié. Mais elle souriait en disant cela. Et alors elle fit une autre proposition qui leur enleva pendant un moment l'usage de la parole. Si vous restez ici, rien ne peut vous empêcher de travailler pour vivre. N'ayez pas l'air si surpris. Il y a une demi-douzaine de garçons qui le font actuellement. Ils ont fui aussi la guerre. Deux d'entre eux sont ici. Et les autres viennent, Dieu seul sait où. Mais nous manquons d'hommes et il y a beaucoup à faire avant l'hiver. Et personne ne veut d'histoire à ce sujet. S'il arrive que quelqu'un de suspect rôde dans les parages, les garçons se cachent, mais la plupart du temps, ils travaillent au grand jour. Elle rit de bon cœur. Et ils ne sont jamais à court de lit. Je pourrais vous procurer du travail chez le vieux Enzo Gozzoli. C'est le chef de notre équipe. Il a perdu 2 fils à la guerre et il est fasciste comme la peste. Lorsque vous irez mieux, je lui en parlerai. C'est-à-dire, si vous voulez. J'y réfléchirai, répondit Giacomo Nerone. Je suis très reconnaissant, mais je dois y réfléchir. Il s'appuya contre l'oreiller, ferma les yeux et quelques instants plus tard glissa dans le sommeil. La femme versa un autre gobelet de vin à Meilleur et se mit à le boire pensivement en la regardant, tandis qu'elle se penchait sur le lit, reposait la tête brune sur l'oreiller, tirait soigneusement les couvertures autour de l'épaule blessée et s'arrêtait un moment dans une silencieuse contemplation de l'hôte endormi. Quand elle revint, Meilleur se leva, la prit dans ses bras et essaya de l'embrasser. Elle le repoussa gentiment. « Non, dottore mio, pas maintenant. » « Je vous désire, Nina. »« Vous ne me désirez pas vraiment, Caro, » lui dit-elle doucement. « Autrement, il y a longtemps que vous m'auriez prise. J'en aurais été heureuse. C'est l'été et vous êtes solitaire, et nous avons passé quelques soirées ensemble. Mais je ne suis pas pour vous, et vous le savez. Vous m'auriez haï ensuite. J'ai besoin d'un homme, Dieu sait.
mais je le veux à moi tout entier. » Meilleur s'éloigna et prit sa trousse. Il fit un geste rapide vers le lit. « Vous l'avez, lui ? Peut-être ? » lui dit-il d'un ton mordant. « Peut-être, » répondit Nina Santuzzi. Puis elle alla à la porte et la tint ouverte pour lui. Et tandis qu'il s'en allait vers la pente de la colline, il l'entendit se refermer avec un bruit sec et aigu dans l'air languissant. « Et ceci en fut le commencement ?» demanda Blaise Meredith. « Le commencement ?» Meilleur tendit la main vers la cruche de vin. En 3 semaines, il était sur pied, travaillant pour Enzo Gozzoli. Le soir, il retournait à la massure de Nina, et il devint Raman. « Et outre le fait qu'il était anglais, vous n'aviez encore aucune idée de son identité ?»« Non. » Meilleur prit une longue gorgée de vin, s'essuya les lèvres avec un mouchoir sale. « Il y avait 3 possibilités. » Il pouvait être un prisonnier évadé, un agent britannique envoyé pour prendre contact avec les premiers groupes de partisans, un déserteur. Et lequel de ces 3 vous paraissait-il l'être ? J'ai essayé à tour de rôle de le mettre dans la peau de ces 3 personnages. Un prisonnier évadé, ouais. Sauf qu'il ne montrait aucune envie de faire ce que devait faire en pareil cas un prisonnier. Essayer de rejoindre son unité. Un agent ? Cela aussi était possible. Il parlait un bon italien, pas l'argot de cuisine et des bordels militaires. Il était instruit. Il comprenait leur politique locale. Lorsque j'ai essayé, à mots couverts, de le persuader de se joindre à moi dans une tentative pour prendre contact avec les partisans, il refusa. A-t-il donné une raison ? Non. Il refusa poliment, mais de façon définitive. Un déserteur, alors ? Meilleur pinça pensivement ses lèvres minces. Cela me paraissait comme la déduction la plus vraisemblable, mais un déserteur est un homme qui a peur. Il a le regard du fugitif. Il vit avec la conviction qu'il doit être pris un jour. Mais René n'avait rien de cela. Une fois rétabli, il marchait, parlait, riait comme un homme libre. Était-ce un officier ? J'ai supposé cela. Comme je vous le disais, il était un homme cultivé. Il avait l'habitude de la décision, le talent de faire les choses, de faire les choses. Mais elle ne portait aucun signe permettant de l'identifier. Je lui fis remarquer que s'il ne se faisait prendre de la sorte par les Allemands ou par les Italiens, il pouvait être fusillé comme espion. Il ne fit qu'en rire et dit que Giacomo Nerone était un bon Italien, qui ne voyait aucune raison dans la guerre. Un peu de vin, monseigneur ? Meredith lui fit un vague signe de tête, et comme Meilleur remplissait son verre, il demanda. Quelle opinion vous êtes-vous fait de son caractère durant les premiers temps ? Je vous en ai déjà dit une partie, répondit Meilleur. Courage, bonne humeur, une capacité de faire les choses. Le reste, je n'en étais pas très sûr. J'étais jaloux de lui, vous comprenez ? À cause de Nina Santuzzi ? De cela et d'autres choses. J'ai vécu parmi ces gens et je leur ai rendu service aussi, pendant des années. Je ne suis jamais parvenu à être intime avec eux. En une semaine, Néronet, lui, était ici, comme chez lui. Les hommes lui faisaient confiance, les femmes l'aimaient. Il pouvait les faire rire en contractant ses sourcils noirs. Et elle lui racontait tous les scandales et lui apprenait le dialecte et partageait leur vin avec lui. Moi, j'étais toujours l'étranger, le juif de Rome. Je comprends ce que vous deviez ressentir, lui dit Meredith avec douceur. J'étais comme cela toute ma vie, sauf que je n'ai jamais été utile à personne. Aldo Meyer lui lança un rapide regard appréciatif, mais Meredith se fixait distraitement le vin sombre dans son verre. Meyer continua. J'étais surtout irrité, parce qu'il semblait tenir le tout pour acquis et permanent. Comme si le présent seul importait. Pour lui, c'était assez naturel, je suppose. Il avait eu sa guerre. Il était satisfait du présent. Mais moi, j'avais attendu si longtemps, et que je soupirais après l'action et le changement. « Ainsi, vous ne vous entendiez pas tous les deux ?» Meilleur secoua la tête. « C'est le plus curieux de l'histoire. Lorsque je ne le voyais pas, il me déplaisait. Mais quand nous nous rencontrions en passant, ou lorsque plus tard, il prit l'habitude de venir chez moi le soir pour bavarder ou m'emprunter un livre, il me charmait. Il se dégageait de lui un calme, une douceur. Cette même sorte de chose que vous trouvez en Nina Santuzzi maintenant. »« De quoi parliez-vous ?»« De tout. » Excepté de Nerone. Il refusait tout sujet qui aurait pu me donner un indice sur son identité. Il était intéressé, surtout
par l'endroit même, les gens, leur histoire, leurs coutumes, leurs rapports entre eux, comme s'il cherchait à oublier tout ce qui lui avait appartenu et à se confondre lui-même dans la vie des montagnes. Se préoccupait-il d'eux? Au début, non, il semblait se considérer comme l'un d'eux, mais il n'avait aucun projet comme j'en avais, aucun plan pour améliorer leurs conditions de vie. Quelles étaient ses relations avec Nina Sandozi? Meilleur sourire uniquement, il tendit les mains demandant grâce. Ils étaient heureux ensemble, on le voyait sur leur visage, c'était tout ce que je savais, plus que je ne voulais en savoir. Pour le reste, vous aurez le demander à Nina. Meredith inclina la tête. Je regrette de vous harceler ainsi, docteur, mais vous savez pour quelle raison j'ai été délayé. Je comprends. Je ne me réserve pas, j'essaie de garder mon témoignage intact. Continuez, je vous prie. La seconde période commença vers la fin d'octobre, au milieu de l'automne. Mais René m'appela pour examiner Nina. Elle était enceinte de 2 mois. Quelle fut la réaction de René? Il en était heureux. Ils l'étaient tous les deux. Je crois que je n'ai jamais été plus jaloux de lui qu'à ce moment-là. Il était venu, Dieu sait où, et avait réalisé tout ce qui m'avait échappé toute ma vie. Faveur, amour, l'espoir d'un but et d'une continuité. Il n'avait fait encore aucun geste pour épouser Nina? Non. Voulait-elle l'épouser? Je leur en ai parlé tous les deux, dit prudemment Meilleur. Non pas parce que ça me préoccupait. Dans un pays sans homme, un fils sans père légitime n'est pas chose honteuse. Mais parce que je voulais savoir quelle sorte d'homme était Néronné. Qu'a-t-il dit? Rien. Ce fut Nina qui répondit. Nous aurons suffisamment de temps, le temps de nous marier, docteur, lorsque nous saurons ce qui va arriver. Et Néronné? Meilleur regardait le dos de ses mains ouvertes et semblables à des araignées sur le bois chaud de la table. Il hésita un instant puis dit « Je me souviens très bien de ce qui suivit. Au moment même où je croyais avoir jugé Néronné pour ce qu'il valait, un type sans scrupules qui serait parti avant l'aube, il me surprit encore une fois. « Comment ?» Il dit, tout à fait simplement à propos de rien du tout. « L'hiver va être rude, docteur. Vous et moi ferions mieux de commencer à le préparer dès à présent. « Oui, il pleut, mais t'as bien de la chance. » Autrefois, avant que les hommes soient pris pour la guerre, avant que cette guerre ait commencé à prendre une mauvaise tournure, lorsqu'il y avait encore une autorité et un but dans la terre, l'hiver était supportable, même s'il n'avait jamais été un temps heureux. Il y avait des provisions de charbon, du vin en réserve et de l'huile dans les grandes bouteilles vertes. Des chapelets d'oignons pendaient des poutres et les épis de maïs s'entassaient dans le coin. Et des pommes de terre étaient enterrées dans la paille. Il restait des provisions de fromage à acheter, du salami, du jambon fumé et des lentilles, et les meuniers avaient de la farine à vendre pour la pasta. La nourriture était là, même si vous deviez gratter et faire un trou dans vos culottes pour trouver l'argent et l'acheter. Avant que les villages fussent isolés par la neige, il se faisait toujours un trafic d'échange entre eux. Quand le travail dans les champs se ralentissait jusqu'au point mort, la commune payait une petite obole pour avoir les routes déblayées et du gravier étendu sur les flaques de neige. C'était une vie. Pas beaucoup, bien sûr. Mais si on s'y accrochait assez longtemps, on entendait le torrent gronder. On respirait les premières brises chaudes du sud et on sentait la glace fondre de ses os avec l'arrivée du printemps. Mais en ce moment, il n'y avait plus d'hommes et les récoltes étaient pauvres. Et les impôts du chef d'état-major en prenaient la plus grande partie. L'échange était réduit à rien car personne n'aurait pris sa charrette et son âne au marché et risquait de rencontrer sur son chemin les voleurs, les déserteurs et les patrouilles. Il valait mieux rester à la maison et vivre sur sa propre substance aussi longtemps qu'il était possible. De plus, les garçons revenaient, en déroute, sans chef, déçus et le ventre affamé, nouvelle bouche à nourrir avec des provisions réduites. Il n'y avait plus de gouvernement. Ceux des fonctionnaires s'étaient conduits raisonnablement. Il n'y avait plus de gouvernement. Ceux des fonctionnaires qui s'étaient conduits raisonnablement restèrent, espérant que les sacs de leur paix arriveraient, et sinon, qu'on leur revaudrait un peu de leur bonté passée. Les autres, qui avaient été de faux frères, s'en allaient, s'attachant aux unités encore actives, ou se vendaient, eux et leurs connaissances locales, au détachement allemand qui se déplaçait vers le sud pour attaquer la 8e armée alliée.
et à Diemedli des Monti. Ils sentirent le vent et les premières bourrasques de pluie, et comptèrent les premières gelées, et dirent « Il va faire un rude hiver. » Giacomo Nerone le dit aussi, avec sang-froid et énergie, mais il ajouta une ou deux réflexions personnelles. Pardon. Vous et moi sommes les seules personnes par ici à avoir du jugement ou de l'influence. Nous aurons à faire marcher l'organisation. Meilleur le regarda bouche bée, abasourdi. Pour l'amour de Dieu, mon vieux, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes un fugitif, je suis un exilé politique. Dès le moment où nous exposerons nos têtes, ils feront tomber les haches dessus. Qui ? Il ? Docteur Nerone riait. Merci pour le pat-pat. Les autorités, la police, les carabinieri, le maire de Diemello Maggiore. Nerone rejeta la tête et rit de bon cœur, comme si c'était une plaisanterie de laveuse du bord du torrent. Mon cher docteur, ces individus ont tellement peur actuellement qu'ils ne songent qu'à sauver leur peau. Nous n'avons pas vu un seul d'entre eux depuis des semaines. De plus, ceci est notre travail, pas le leur. Nous en prendrons soin nous-mêmes. Prendre soin de quoi, pour l'amour de Dieu ? L'élémentaire problème de survie pendant 3 mois. Nous devons veiller à ce que chacun ait assez de nourriture et de combustible pour pouvoir vivre pendant l'hiver. Nous devons vous faire obtenir un peu plus de médicaments et essayer de trouver quelques couvertures supplémentaires. Nous devons constituer notre provisionnement central et veiller à ce que les rations soient équitablement distribuées. Vous êtes fou, lui dit simplement Meilleur. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils sont ladres, dans des périodes les plus prospères, mais en période de famine, ils sont comme des oiseaux de proie. Ils se mangeront le foie avant de laisser sortir un croûton de pain d'une maison au bénéfice de l'autre. La famille est la seule chose qui compte. Le reste du monde peut pourrir dans un fossé. Alors nous leur apprendrons le premier pas à faire, lui dit calmement Nerone. Nous en ferons une tribu. Vous ne pouvez pas le faire. J'ai déjà commencé. Diable, vous l'avez fait. J'ai amené 10 familles à accepter de mettre un quart de leur provision dans un approvisionnement commun. Chacune de ces familles va essayer d'y amener un autre. Une autre. Et puis vous et moi ferons le tour et tâcherons de mettre un peu de bon sens dans la tête de ceux qui s'obstinent encore. Je ne comprends pas comment vous avez réussi à faire cela. Giacomo Nerone sourit et haussa les épaules. Je leur ai parlé. J'aurais fait remarquer qu'il faudra prévoir d'autres réquisitions, italiennes, allemandes, alliées, lorsque les choses deviendront difficiles, ainsi que cela arrive en hiver, on recherchera dans les maisons les provisions cachées. Maintenant que les choses marchent bien, nous ferions mieux de nous entendre et de constituer un approvisionnement commun dans un endroit secret. Je leur ai dit que Nina et moi apporterions les premiers notre contribution, comme preuve de notre bonne foi, et qu'ensuite nous formerions un comité pour l'administrer. Vous, moi et 3 autres, 2 hommes et 1 femme. Cela m'a pris un peu de temps, mais ils ont été d'accord à la fin. J'ai été ici tout ce temps, dit Meilleur d'un ton triste, et je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de pareil. Il faut en payer le prix, bien entendu. Meilleur le regarda étonné. Quelle sorte de prix ? Je ne sais pas encore, répondit pensivement Nerone, mais je crois qu'il sera très fort à la fin. A-t-il expliqué ce qu'il voulait dire ? Demanda Miss Bérédite. Non. Lui avez-vous demandé de vous l'expliquer ? Oui. Meilleur fit une grimace triste. Mais une fois encore, ce fut Nina qui répondit à sa place. Elle se tenait derrière lui, je me souviens, et se pencha, et lui baisa les cheveux, et lui prit ensuite le visage entre ses mains, puis elle dit « J'aime cet homme, Dottor Emilio. Il n'a peur de rien, et il paie toujours ses dettes. » Cela vous avait-il satisfait ? Meilleur rit tout bas et se jeta contre le dossier de sa chaise pour atteindre la cruche de vin. « Vous ne m'avez pas compris, monseigneur. Lorsque vous voyez un homme et une femme heureux comme cela, et que vous êtes amoureux de la femme vous-même, il n'y a qu'une seule satisfaction. Et vous ne pouvez l'obtenir. Je me suis levé et je suis parti. Le lendemain, Nerone et moi nous sommes rencontrés et avons commencé les préparatifs pour l'hiver. » Et vous avez réussi ? Oui. Avant les premières neiges, et ils étaient tous d'accord à Diemello Minore, et nous avons presque 3 tonnes de provisions cachées dans la Grotta del Fauno. Les souvenirs s'agitèrent vivement derrière les yeux pensifs de Blaise Meredith.
La grotte du faune, c'est là qu'ils l'enterrèrent, n'est-ce pas? C'est là qu'ils l'enterrèrent, répondit le Domilleur. Fin du chapitre 10. Alors attendez, j'allume un peu la lumière. Petite pause. Est-ce que ça va, vous? Qu'est-ce que vous faites de beau? Dites-moi tout. J'ai le dos qui colle tellement il fait chaud, c'est une horreur. Oh. Je t'écoute, tu m'écoutes? Non. J'espère que j'ai pas une trop mauvaise voix. Alors, pour indication, alors que je sache. Nous sommes à la page 212. Et on s'arrête à la page. À la page 253. Donc il nous reste 40 pages. 40 pages pour ce soir. Ça va? On va y avoir alors. De toute façon, je vais pas tarder à reprendre. J'arrive, je vais juste me chercher un verre d'eau. Et d'eau fraîche, ça fait du bien. Ouais, si on meurt pas, c'est tout fin. Ah bah le fat travers en oeil, oui mais oui, il gros. C'est pas ma faute si mon gosier il part en vacances. Hein. Ah. Il fallait bien que je fasse une connerie quelque part. Hein. Ah là là. Alors, que je repère le chapitre 12. Hop. Voilà. Même le ventilo, il brasse de l'air chaud, c'est horrible. Ah, ok. Reprenons. Chapitre 11. Tandis que Blaise Meredith s'entretenait avec Aldo Meyer sur le figuier, Anne-Louise de Sanctis, assise dans le salon décoré de la villa, parler à Nina Sanduzzi. Elle s'était levée tard, mais de moins mauvaise humeur que d'habitude. Et quand le domestique l'informa que Nina Sanduzzi attendait pour la voir, elle s'attarda davantage à son petit déjeuner et à sa toilette. Elle avait bavardé 10 minutes avec Nicolas Black, qui était déjà au jardin avec sa boîte de peinture, jeté un coup d'œil sur les comptes de la maison et le menu du dîner. Puis, installée au salon, avait envoyé un domestique chercher Nina Sanduzzi. Pardon. À présent, elles étaient seules. Tandis que Paolo traînait ses pas dans l'allée et regardait les jardiniers aller et venir dans les parterres et le vol paresseux d'un papillon jaune dans les bouquets d'arbrisseaux. La comtesse, assise dans un fauteuil à haut dossier, était fraîche et soignée.
et légèrement triomphante, les mains posées calmement sur les genoux, ses yeux scrutant le visage impassible de la paysanne qui se tenait devant elle, couverte de la poussière de la route, les pieds nus dans des sandales de bois, mais droite et fière comme un arbre, attendant que souffle le vent. « Tu comprends ?» dit Anne-Louise de Sanctis. « Ceci est une grande chance pour le garçon. » Elle employait le « tu » familier pour souligner le vaste abîme qui séparait la châtelaine de la servante. « C'est du travail, » répondit calmement Nina Sandouzi. « C'est bon pour le garçon, s'il travaille bien. C'est bon pour vous aussi. » « Quel est le sentiment du garçon à ce sujet? Est-il content de venir ?» Qui peut dire ce que ressent un garçon? Il est ici, il est prêt à travailler. Nous n'avons pas encore parlé du salaire. Le dottore a dit que vous paieriez ce que l'on donne habituellement. Anne-Louise de Sanctis sourit avec bienveillance. Nous ferons mieux que cela. Signor Black me dit que le garçon est intelligent et de bonne volonté. Nous lui donnerons un salaire d'homme. Pour un travail d'homme, c'est bon, du moment que c'est un travail d'homme. La réponse était ambiguë, mais la comtesse, étant faible en dialecte, n'en remarqua pas la pointe. Elle continua avec bienveillance et condescendance. Si le garçon travaille sérieusement et promet, nous serons à même de faire encore plus pour lui. Lui donner une éducation, l'aider à se faire une carrière, l'envoyer à Rome peut-être. Nina Sandouzi hocha pensivement la tête, mais ses yeux étaient voilés sans expression, comme ceux d'un oiseau. Elle répondit simplement. Son père était un homme instruit. Il avait coutume de dire « On devrait instruire le cœur d'abord, et la tête ensuite. » « Bien entendu, » dit la comtesse avec une fausse vivacité, « son père, un Giacomo Nerone, était votre amant, n'est-ce pas ?»« Il était l'homme que j'ai aimé, » répliqua Nina Sandouzi. « Il m'aimait et il aimait le garçon. »« Curieux qu'il ne vous ait pas épousé. » Il y eut une trace d'émotion dans les yeux impassibles et le calme visage de la paysanne. La phrase resta suspendue dans le silence qui se fit d'entre elles. Anne-Louise de Sanctis était irritée. Elle aurait voulu frapper et voir la marque de ses doigts sur les joues brunes de l'autre. Mais c'était un plaisir qu'elle ne pouvait se permettre, s'étant promis d'être diplomate et d'allier les sourires à la dissimulation. Elle dit vivement. « Le garçon logera ici, bien entendu. Il sera bien nourri et confortablement installé. Vous pourrez l'avoir chez vous les dimanches. » « J'ai parlé au seigneur de au monseigneur de Rome, » dit tranquillement Nina. « Je lui ai demandé de conseiller le garçon et de l'aider. Il traverse les années ingrates de sa vie. »« Vous n'auriez pas dû ennuyer monseigneur Meredith, » lui fait vivement remarquer la comtesse. « C'est un homme malade et occupé par des affaires importantes. »« Il est occupé de mon Giacomo, signora. » Et qu'est-ce qui pouvait être plus important que le fils de Giacomo, de plus? Pardon. Il est occupé de mon Giacomo, signora. Et qu'est-ce qui pouvait être plus important que le fils de Giacomo Nerone? De plus, le monseigneur a dit qu'il serait heureux de nous aider. Vous pouvez partir, lui dit la comtesse. « Laissez le garçon ici, le jardinier le mettra au travail. » Nina Sandouzi ne fit aucun mouvement pour partir. Au contraire, elle se baissa et prit le panier de paille qu'elle portait toujours. Elle fouilla dedans et en sortit un petit paquet proprement enveloppé dans du papier et le tendit à la comtesse. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon garçon entre dans votre maison. Il ne doit pas venir les mains vides. C'est un cadeau. » La grâce simple du geste embarrassa la comtesse. Elle prit le paquet dans ses mains et dit gênée. « Je vous remercie. Puis-je demander ce que c'est ?»« Nous sommes des gens pauvres, » répondit Nina Sandouzi lentement. « Nous donnons de notre cœur et non de notre richesse. Un jour, Giacomo peut être fait beato, et alors ceci deviendra précieux pour vous. C'est une partie de ce qu'il portait lorsqu'ils l'ont tué. C'est taché de son sang. J'aimerais bien que vous l'acceptiez de la part de son fils. »
Anne-Louise de Sanctis ne dit rien, mais resta là, regardant le paquet, son visage tout pâle, les lèvres remuant silencieusement. Quand, après un long moment, elle leva la tête, Nina Sandozi était partie. Il n'y avait qu'un oblique rayon de soleil traversé par des particules de poussière et une échappée de pelouse verte, où un garçon s'en allait côte à côte avec un jardinier. Un garçon qui aurait pu être son fils. Aldo Meyer et Mgr Meredith s'étaient levés et éloignés de la table, et faisaient les 100 pas côte à côte, dans l'allée pavée qui courait le long de toute l'étendue du jardin. Ils passaient alternativement du soleil à l'ombre, et leurs souliers faisaient un bruit sec sur les pierres. Jusqu'à ce point, commença de sa manière précise d'homme de loi Mgr Meredith, qu'avons-nous? Un homme en fuite? Un homme amoureux? Un homme assumant la conduite et la responsabilité d'une commune qui lui a donné refuge? Son passé est un mystère, son futur incertain, même pour lui-même. Son présent, ce que vous m'en avez raconté, nous n'avons aucune indication sur ses croyances religieuses ou son attitude morale. Apparemment, il vit dans le péché. Ses actes, bons en eux-mêmes, n'ont aucune valeur spirituelle, maintenant. Il donna un coup de pied à un petit caillou et regarda rebondir contre le mur de pierre inégal. Maintenant, selon mes rapports, il arrive à une crise, une période de conversion durant laquelle, ou à cause de laquelle, il se détourne de son ami et se donne à Dieu. Que savez-vous de cela? Moins que je ne devrais peut-être, répondit délibérément Meyer. Certainement beaucoup moins que Nina, à qui vous allez parler cet après-midi. Mais je sais quelque chose. Je vous le confie pour ce que cela vaut. L'hiver fut plus rugueux. L'hiver fut plus rigoureux qu'il ne l'aurait même pu imaginer. La neige tombait en rafales aveuglantes, des hauts sommets jusqu'à l'ouest. Elle s'amoncelait en tas le long des routes et dans les cavités. Elle bloquait les pistes dans la montagne et cassait les branches des oliviers et s'entassait contre les portes des maisons. Elle s'était durcie et les vents fouettaient les flocons légers, dénudant les arêtes de glace semblables à des ondulations sur une mer morte et blanche. Puis, il y eut de nouvelles accalmies et de nouvelles chutes, de sorte qu'une couche molle avait recouvert la glace dure inférieure. Dans le sud, les armées engagées s'étaient terrées et attendaient le dégel. Les patrouilles bivouaquant dans les collines perdraient des hommes par le froid et la gelure. Les traînards et les déserteurs frappaient désespérément dans la nuit aux portes barricadées et, quand on ne leur ouvrait pas, mouraient dans la neige avant le jour. À l'intérieur des maisons, les familles se serraient ensemble dans les grands lits de suivre pour se réchauffer, se levant seulement pour faire leurs besoins ou pour chercher de la nourriture et préparer du café, car la provision de charbon devait être conservée et les sols de terre battue étaient gelés et le vent perçait à travers les portes bois fondues et les fenêtres aux châssis branlants, bouchés avec de la boue ou de vieux journaux. Les vieux toussaient et grognaient, leurs jointures perclues de rhumatisme, les petits pleurnichaient, les joues rouges, la gorge irritée et la poitrine congestionnée. Et lorsque l'un d'eux mourait, il était porté à l'extérieur et enterré là, dans la neige, jusqu'au dégel, car qui aurait fait des cercueils par ce triste temps? Et qui aurait pu retourner le gazon au Campo Santo quand la terre était durcie comme du granit? Ils vivaient comme des animaux hibernants. Chaque litière, un îlot dans une mer de glace, tirant la chaleur de leur corps, les uns des autres, habitués à leur puanteur mutuelle, mâchant aveuglément le croûton de pain commun, en se demandant tristement combien de temps il durerait encore, et s'ils verraient jamais un autre printemps. Si on frappait à la porte, ils faisaient les sourds. Qui, si ce n'est des voleurs, des fous, des affamés, serait dehors par un temps pareil? Si les coups persistaient, les malédictions pleuvaient en cœur jusqu'au moment où les coups cessaient enfin, et que le bruit sec de ses pas se fut éloigné par la neige durcie. Pour eux, seule la façon de frapper et la voix de Giacomo Nerone étaient reconnaissables, et, à elle seule, ils répondaient. Chaque jour, tout au long du jour, ils étaient là, faisant le tour des maisons, géants souriant aux joues barbues, ses bottes enveloppées dans des sacs, son corps recouvert par des couches de vêtements pour épouvantail, sa tête emmitouflée dans un bonnet fait dans un bas de Nina. Il portait, sur le dos, un vieux sac d'ordonnance rempli de rations, et ses poches étaient bourrées de tablettes d'aspirine, d'une bouteille d'huile de foie de morue et d'un tas de restes de médicaments. Il s'arrêtait dans chaque maison,
aussi longtemps qu'on avait besoin de lui et pas davantage. Il contrôlait les provisions de nourriture, passait en revue les malades, leur donnait leur dose quand il pouvait, préparait un bouillon pour ceux qui ne pouvaient le faire, nettoyait les saletés accumulées puis s'en allait. Mais avant de pas partir, il avait toujours 5 minutes pour les nouvelles et les salutations. Et quelques autres encore, pour une plaisanterie qui les ferait rire, tandis qu'ils s'enfonçaient péniblement dans le désert extérieur. S'ils avaient besoin de meilleur, ils revenaient avec lui. S'ils étaient prêts à recevoir le prêtre, il essayait d'en amener un. Quoique ceci fût une démarche plutôt hasardeuse, le parent de Selmo étant vieux et souffrant du froid, n'aimait pas se déplacer, et le jeune curé de Gemello Maggiore était souvent pris par ses propres mourants. Sa dernière visite de la journée était toujours pour meilleur. Il buvait un gobelet de grappa, échangeait des notes, puis Nerone descendait la colline vers la massure de Nina. Au début, il était allègre, triomphant dans le défi de sa force et de sa vitalité. Puis, comme décembre s'en allait, que janvier rentrait, et que le temps ne changeait toujours pas, il commença à devenir un peu nerveux et préoccupé, comme un homme dormant peu, trop peu, et réfléchissant beaucoup. Meilleur le poussa à se reposer, à s'accorder quelques jours de répit à la maison avec Nina. Mais il refusa nettement et, par la suite, sembla se forcer encore plus durement. Puis un soir, qu'il se faisait tard, et qu'un vent aigre se levait, il vint chez Meilleur, laissa tomber son sac par terre, avala sa grappa d'un coup et dit brusquement « Meilleur, je veux vous parler. » « Vous le faites toujours, » répondit doucement Meilleur. « Qu'y a-t-il de différent ce soir ?» Nerone passa sur l'ironie et enfila. « Je ne vous ai jamais dit pourquoi je suis venu ici, n'est-ce pas ?»« C'est votre affaire. Vous n'aviez pas à me le dire. » Je voudrais vous le dire à présent. Pourquoi ? J'en ai besoin. C'est une bonne raison, lui dit Meilleur avec un sourire. Dites-moi, croyez-vous en Dieu, Meilleur ? J'ai été élevé dans la croyance en lui, répondit Meilleur sur ses gardes. Mes amis, les fascistes, ont fait de leur mieux pour me persuader du contraire. Mettons que j'ai un esprit ouvert en la matière. Pourquoi cette question ? Je pourrais vous raconter des bêtises. Un homme a le droit de dire des bêtises, s'il en sent le besoin. Parfait. Vous en tirerez la conclusion que vous voudrez. Je suis anglais, vous savez cela. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis officier. Je l'avais deviné. Je suis aussi un déserteur. Que voulez-vous que je dise ? Demanda Meilleur avec un humour sec. Ne dites rien. Pardon. Ne dites rien, pour l'amour de Dieu. Écoutez seulement. J'étais dans l'avant-garde à l'assaut de Messine. C'était la dernière place forte de la pointe, en Sicile. Pour nous, c'était un jeu. Votre peuple était battu. Les Allemands reculaient en vitesse. Rien qu'une opération de nettoyage. Ma compagnie avait été désignée pour nettoyer un carré d'un demi-mille d'habitations, conduisant au dock. Des tireurs éparpillés, deux postes de mitrailleuse. Rien. Il y avait une impasse avec des fenêtres nous faisant face et un tireur dans la plus haute fenêtre. Il nous avait coincés pendant 10 minutes à l'entrée de l'allée. Puis, ayant pensé que nous pourrions l'avoir, nous sommes entrés. Arrivé jusqu'à la maison, j'ai suivi la routine habituelle et lui ai crié de se rendre. Il y eut un tir, d'une fenêtre plus basse cette fois. Le tir toucha un de mes hommes. Je lançai une grenade dans la fenêtre, attendis qu'elle eût éclaté, puis j'entrai. Je trouvai mon tireur, un vieux pêcheur, une femme et un nourrisson. Tous morts, le bébé avait reçu toute la décharge. « Cela arrive à la guerre, » dit Meilleur froidement. « C'est l'élément humain, cela n'a rien à faire avec Dieu. » « Je le sais, » lui dit Giacomo Nerone, « mais j'étais l'élément humain. Pouvez-vous comprendre cela ?»« Oui, je peux le comprendre. » Ainsi, vous avez décidé que ceci était pour vous la fin de la guerre. Vous aviez fait ce pourquoi on vous avait payé. Vous étiez dispensé de tout le reste. Votre guerre était terminée. Est-ce exact ? Plus ou moins. Vous vous êtes enfui. Mais où pensiez-vous pouvoir aller ? Je ne savais pas. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Je ne sais pas pourquoi non plus. Appelez cela un accident si vous voulez. Croyez-vous en Dieu, Nerone ? J'y croyais.
Puis, pendant longtemps, je n'ai plus eu la foi. Et à présent? Ne me pressez pas, mon vieux. Laissez-moi tout raconter. Miller haussa les épaules et versa dans le verre de Néroné une quantité extravagante de grappa. Lorsque ce dernier protesta, Miller, d'une humeur décourageante, lui dit « Une vino veritas! Buvez-le !» Néroné prit le verre dans ses mains tremblantes et but avidement, puis essuya ses lèvres gercées du revers de la main et dit tristement « Lorsque j'ai rencontré Nina, elle a été un refuge. Quand nous nous sommes aimés, ça fut bien plus, une sorte d'absolution. Quand elle devint enceinte, j'eus le sentiment de réparer ce que j'avais fait, de remettre une vie nouvelle à la place de celle que j'avais détruite. Lorsque nous avons commencé à faire quelque chose pour ces gens, c'était une sorte de réparation de ma part, au vieux pêcheur et à la femme morte. Ce n'était pas assez. Ce n'est pas encore assez. » « Ce n'est jamais assez, » lui dit Aldomir. « Mais où Dieu entre-t-il là-dedans ? » S'il n'y entre pas, tout est folie monstrueuse. La mort ne signifie rien, la réparation encore moins. Nous sommes des fourmis sur la carcasse du monde, nés du néant, et nous agitant pour aboutir nulle part. L'un de nous meurt, les autres rampent, et nous passent dessus pour prendre leur part. Toute cette vallée pourrait geler jusqu'à mourir, et cela ne signifierait rien. Rien du tout. Mais s'il y a un Dieu, tout devient énormément important. Chaque vie, chaque mort. Et la réparation ? Ne signifie rien du tout, dit sombrement Neuroné, à moins que vous ne vous donniez vous-même comme une partie de cette réparation. Vous êtes dans des eaux profondes, mon ami, lui dit avec douceur Miller. Je sais, répondit Neuroné d'une voix accablée, je suis fichtrement prêt de m'y noyer. Il appuya la tête contre ses mains et se passa les doigts dans les cheveux. Miller vint s'asseoir sur le bord de la table et dit en souriant, laissez-moi vous donner un conseil, mon ami, un conseil médical. Vous vous épuisez de fatigue et par manque de nourriture. Vous n'avez jamais été tout à fait sûr d'avoir eu raison ou tort de sortir de votre guerre, et parce que vous êtes fatigué, vous commencez à vous tourmenter à ce sujet. Vous avez fait du bon travail pour nous tous ici, et vous le faites encore. Maintenant, tout d'un coup, vous vous inquiétez de Dieu. Vous me pardonnerez cette façon de parler. La moitié du mysticisme de pacotille dans le monde vient d'une mauvaise digestion, du surmenage, du manque de sommeil ou de satisfaction sexuelle. Si vous voulez le conseil d'un médecin, restez à la maison et faites avec Nina une lune de miel pendant quelques jours. Allouez-vous une ration supplémentaire et accordez-vous une festa. Léroné leva la tête et son visage sombre et barbu se détendit dans un sourire. Vous savez, Meilleur, c'est là où vous tous, libéraux, vous faites une erreur. C'est pourquoi il n'y a plus de place pour vous au XXe siècle. On ne peut faire que deux choses au sujet de Dieu. Reconnaître son existence comme les catholiques, ou la nier comme les communistes. Vous voulez le détruire à un mal de ventre, vous voulez le réduire à un mal de ventre, ou un accès de fièvre, ou une confortable méditation à l'heure du café et des cigares. Vous êtes juif. Vous devriez mieux le savoir. Et vous, qu'êtes-vous ? Miller était héritier. J'étais catholique. C'est votre malheur, lui dit de façon précise Miller. Vous pourriez faire un bon communiste. Vous ne ferez jamais un bon libéral. Vous êtes un absolutiste du cœur. Vous avez de la religion comme une démangeaison dans la fourchure et vous la garderez jusqu'au jour où vous mourrez. Mais mon ordonnance tient toujours. J'y réfléchirai, docteur. Je dois y réfléchir très attentivement. Meredith cessa de faire les 100 pas et s'arrêta un moment à l'ombre du figuier déchiquetant d'un air absent une de ses feuilles épaisses et dures dont le suc blanc lui engluait les doigts. Au bout d'un moment, il dit « C'est la première lueur faible que j'entrevois d'une chose que l'on recherche dans chaque histoire d'une cause. L'entrée de Dieu dans les calculs de l'homme, le commencement de l'acceptation des conséquences de la croyance, le début d'une relation personnelle entre le Créateur et la créature. » Si ce thème continue. Il se représente, répondit lentement Miller. Mais mon histoire a des lacunes. Vous aurez à les faire combler par d'autres témoins, comme Nina Sanduzzi. S'il y avait des écrits, dit pensivement Meredith, ils seraient d'un secours énorme. On pourrait être à même de suivre une attitude personnelle qui expliquerait les relations extérieures. Il y a des séries. Pardon.
Il y a des écrits, monseigneur. Je les ai. Meredith le regarda surpris. Y en a-t-il beaucoup ? Il y en a un grand paquet. Je ne l'ai pas encore ouvert. Nina me l'a donné. Pourrais-je les voir ? Si vous vouliez bien admettre... Attends. Deux petites secondes. Si vous vouliez bien attendre quelque temps, consentit Meyer embarrassé, je ne les ai pas encore lus. J'en avais peur, en grande partie, de la même façon dont vous aviez peur de demander un miracle. Quelque part dans ces papiers peut se trouver la réponse à un tas de questions qui m'ont longtemps harcelé. Jusqu'à présent, je n'étais pas très certain de vouloir cette réponse. J'aimerais bien les lire cet après-midi, tandis que vous entretiendrez avec Nina. Et demain, je vous les remettrai, avec le reste de mon témoignage. Cela vous conviendrait-il ? Certainement. Gardez-les plus longtemps si vous voulez. C'est suffisant, répondit Meyer avec un sourire lasse. Vous êtes un bon confesseur, Meredith. Je suis heureux de parler avec vous. Un plaisir profond naquit dans les yeux de Meredith. Il dit : Si seulement vous saviez combien je suis heureux d'entendre dire cela. Meyer le regarda, la mine moqueuse. Pourquoi, monseigneur ? Pour la première fois de ma vie, je crois, je commence à me sentir proche des gens. Je suis terrifié à la pensée du temps que j'ai perdu et du peu qu'il m'en reste. Ensuite, ils sont vraiment meilleurs, vous serez près de Dieu. Cela me terrifie plus que tout, répondit Blaise Meredith. Dans un coin éloigné du parc de la villa, Paolo Sanduzzi était au travail, sciant un olivier tombé pour le bois du chauffage. Le chef jardinier, un homme taciturne, noueux et noir lui-même comme un arbre, l'avait laissé là avec la sèche injonction de garder ses mains hors de ses poches, de faire travailler sa graisse de freluquet et de s'arranger pour que tout l'arbre fût scié et lié au coucher du soleil. Paolo était content de se trouver seul. L'endroit lui paraissait nouveau et étrange. C'était son premier travail. C'était son premier travail d'homme, et ses mains étaient maladroites et inexpertes. Se faire railler serait pour lui un supplice. Il avait besoin de temps pour apprendre le rythme de l'outil qu'il utilisait et le langage de cette vie parmi les signoreries. Il avait enlevé sa chemise car le soleil chauffait et après avoir élagué les brindilles avec une hachette, il commença à scier les branches principales. Le bois était assez sec et facile à couper. Mais il était trop impatient et la scie se coinçait et grinçait dans sa main jusqu'à ce que, petit à petit, il en saisit le tour de la main et que les dents mordissent proprement dans le bois, tandis que la sciure tombait sur les feuilles, à ses pieds. Il aima le bruit de la scie, l'odeur du bois, et le goût salé de la sueur qui lui coulait sur le visage, jusqu'au coin de sa bouche. Il aurait été agréable d'avoir Rosetta ici, assise près de lui, lui parlant et admirant son adresse, mais elle ne viendrait que demain. Et puis... elle devait être à la cuisine avec la cuisinière ou en train d'épousseter et d'astiquer dans la villa avec les autres femmes de chambre. Elle devait dormir dans le logement des domestiques, partageant un lit avec une des jeunes servantes, tandis que lui aurait une chambre pour lui seul, un réduit étroit, près du hangar à outils, meublé d'un matelas de paille, d'une chaise et d'une caisse avec une bougie dessus. Mais il se verrait au repas et se promènerait les dimanches. Et peut-être pourrait-il voler une heure pendant la sieste. Il se sentirait mieux lorsqu'elle serait là, moins sauvage et moins effrayé par la comtesse qu'il n'avait pas encore vue, et par l'anglais qu'il n'avait que trop vu. Maintenant que son secret était dévoilé et partagé avec le docteur, maintenant qu'il en savait davantage sur son père, il se sentait plus en sécurité, plus homme. Être bâtard n'était plus un terrifiant mystère, et être attiré par l'anglais pas du tout, semblait-il, une chose si étrange. Peut-être même serait-il possible de trouver un moyen de faire ce qu'il désirait plus que tout. Secouer de ses sandales la poussière du village et aller à Rome, où vivaient le pape et le président, et où les rues avaient tant de fontaines, où chacun avait une voiture, où les jeunes filles portaient de jolies robes et des chaussures, où chaque maison possédait de l'eau courante et quelquefois une salle de bain et des toilettes.
Le peintre lui avait souvent parlé de ces merveilles, dont l'enchantement agissait encore très fort sur lui. Il avait fait le premier pas. Il avait quitté le village et pénétré dans le monde vert et privé de la villa. Rome était tellement plus proche, tellement plus accessible. Pensant à Rome, il pensa naturellement à Nicholas Black, à ses yeux moqueurs, à sa bouche au sourire en coin qui pouvait vous faire vous sentir un homme ou un enfant, et promettait toutes sortes de révélations sans prononcer un seul mot. L'impression était si vive que lorsqu'une brindille sèche craqua derrière lui, il se retourna effrayé, s'attendant à voir l'anglais derrière lui. À sa place, c'était la comtesse qui se tenait là, éclatante comme un papillon, dans une nouvelle robe de printemps, un chapeau de paille rouge abritant son visage du soleil. Ne sachant que faire ou dire, Paolo se tenait la bouche ouverte, les bras ballants, sentant la transpiration lui couler sur le visage et sur la poitrine, et n'osant faire un mouvement pour l'essuyer. Puis la comtesse lui sourit, et ses yeux souriaient aussi. « T'es effrayé, Paolo ?»« Un peu, » murmura-t-il embarrassé. La comtesse s'approcha et regarda autour d'elle le boissier. « Tu as travaillé dur, je vois. C'est bien. Si tu travailles bien pour moi, Paolo, tu ne le regretteras jamais. » J'essaierai, signora. Le sourire de la comtesse lui donna confiance, et quand elle tira sa jupe de côté pour s'asseoir sur le tronc de l'olivier abattu dans une soudaine impulsion, il étendit sa chemise sur l'écorce rugueuse. L'arbre est sale, signora. Vous allez abîmer votre robe. Charmant garçon, murmura Anne-Louise de Sanctis, c'est cette sorte de chose que ton père aurait faite. Est-ce que tu savais que je connaissais ton père ? « Mon père a-t-il travaillé pour vous aussi ?»« Signora ?»« Oh, mon Dieu, non !» Elle éclata d'un rire très fort. « Ton père était l'un de mes amis. Il venait ici quelquefois pour me rendre visite. C'était un signoré. Un grand signoré. » Il fut soudain saisi de honte d'avoir à se tenir comme domestique là où son père avait été reçu comme l'hôte de la maison. Avant qu'il eût le temps de répondre, la comtesse reprit. « C'est pour cette raison que je t'ai fait venir ici. À cause de ton père. » Monsieur Black me dit que tu es intelligent et que tu apprends rapidement les choses. Si c'est vrai, il nous sera possible de faire de toi un gentleman, comme ton père. Il remarqua qu'il n'avait pas été question de sa mère, et une fois encore, il eut honte d'elle, de son dialecte rude, de ses grossiers vêtements et de ses pieds nus et poussiéreux. Il dit rapidement « J'aimerais bien cela, signora. Je travaillerai bien, je le promets. » Puis, enhardi par le sourire encourageant de la comtesse, il lui dit « Je ne sais pas grand-chose sur mon père. Comment était-il ? » ?»« Il était anglais, » répondit la comtesse. « Comme moi, comme Signor Black, comme le Monseigneur de Rome. » « Anglais ?» Il semblait ne pas croire sa propre voix. « Cela veut dire que je suis à moitié anglais aussi. » « C'est exact, Paolo. Ta mère ne te l'a-t-elle jamais dit ?» Il secoua la tête. « Ne t'a-t-elle jamais dit combien tu lui ressembles ?»« Quelquefois, mais pas très souvent. »« C'est une autre raison pour laquelle je veux que tu travailles bien ici. »« Je veillerai à ce que tu ailles à l'école à Valenta, que tu apprennes à lire, à écrire et à parler correctement, que tu portes les vêtements qu'il faut. »« Alors, peut-être, tu pourras devenir mon ami aussi. »« Est-ce que ça te plairait ?»« Et je pourrais aller à Rome ?»« Bien entendu. » Elle lui sourit. Tu désires beaucoup cela, n'est-ce pas ? Beaucoup, signora. Je pourrais t'y faire amener par Monsieur Black pour une visite. Elle lui souriait toujours. Mais il y avait dans ses yeux un drôle d'avertissement. Sans savoir pourquoi, Paolo lui dit rapidement. Je préférerais y aller avec vous. Comme il tendait les bras dans le geste suppliant du sud, elle lui saisit les mains et le tira, de telle sorte qu'il fut à moitié agenouillé et à moitié accroupi à ses pieds. Le parfum de la comtesse l'enveloppait. Il pouvait voir sa poitrine se soulever et s'abaisser sous la robe mince. Elle lui prit le visage dans ses mains et le leva vers elle et dit avec douceur. « Avant que cela ne me soit possible, Paolo, il faudrait que j'aie confiance en toi. Tu devras savoir garder des secrets, ne pas jaser avec les gens du village, pas même avec le Monseigneur de Rome ou Signor Black. »« Je le ferai, signora, je le promets. »« Alors nous y penserons, Paolo. » Et pas un mot, même à ta mère. Pas un mot. Ses mains étaient douces et parfumées sur les joues du garçon. Il eut le sentiment curieux qu'elle voulait le pencher et l'embrasser. Mais au même moment,
Il y eut un bruit de pas derrière eux et la voix doucereuse de Nicolas Black dit « Vraiment, Carrara, vous êtes complètement éhonté. » Le garçon n'a pas encore perdu ses dents de lait. Je me suis trompé de voix. « Vraiment, Carrara, vous êtes complètement éhonté. Le garçon n'a pas encore perdu ses dents de lait et vous essayez déjà de le séduire. » Vous êtes joliment indiqué pour parler de séduction, Nicky. Les mots étaient anglais et Paolo ne les comprit pas. Mais quand il leva les yeux sur le maigre visage de satire du peintre et celui tout rouge de la comtesse, il se sentit pris au piège comme une souris dans un coin avec deux chats prêts à lui sauter dessus. Peu de temps après l'heure de midi, Blaise Meredith retourna à la villa pour se laver et se reposer un peu avant le déjeuner. Il n'était pas mécontent de son travail de la matinée. Meilleur était un bon témoin et ses souvenirs sans passion mais vivaces, de sorte que pour la première fois depuis que sa mission était commencée, Meredith pourrait voir Giacomo Nerone comme un homme et non comme une légende. À plus, soigné, merci d'être venu. Il aurait préféré déjeuner avec Meilleur pour continuer à parler de la période critique suivante dans la vie de Nerone, mais Meilleur ne l'avait pas invité. Et Meredith sentit que le docteur avait besoin de temps pour se reprendre et de solitude pour lire les papiers de l'homme mort. Tandis qu'il se reposait étendu sur le dos dans le lit, sa douleur familière dans le creux de l'estomac, il se demandait quelle attitude adopter pendant le repas vis-à-vis de la comtesse et de Nicolas Black. Maintenant qu'il savait la comtesse menteuse et la paire de conspirateurs qu'elle formait avec Black, sa position devenait terriblement déplaisante. En tant qu'hôte de la maison, il était tenu à la discrétion et à la courtoisie. En tant que prêtre, il ne pouvait, même en gardant le silence, se faire le complice de la corruption d'un enfant. En tant qu'avocat du diable, il était venu à la recherche des témoignages. Il y avait besoin de coopération de la part de ses témoins. Une fois encore, ainsi que cela était passé dans la maison du père Anselmo, la cause de Giacomo Nerone perdit son importance. Il y avait des âmes en jeu, et si la prêtrise avait une signification quelconque, c'était le souci des âmes. Simple exposé, mais proposition complexe. On ne résolvait rien en agitant les commandements, comme une matraque, à la tête des gens. Il était inutile de crier damnation à un homme qui se dirigeait déjà vers l'enfer, sur ses deux pieds. On devait prier et demander la grâce de Dieu, ensuite. Tel un bon psychologue, chercher la peur qui pourrait le soumettre au repentir, ou l'amour qui pourrait l'y entraîner. Même alors, on devait attendre le lieu et le moment propice, et on pouvait encore échouer en définitive, lorsque le corps était malade et l'esprit préoccupé, la difficulté se doublait. Quand vint l'heure du déjeuner, il se leva, se coiffa, mit une soutane d'été plus légère et descendit à la terrasse où le passera sur l'oreiller. Nicolas Black était déjà assis seul devant la table. Il agita la main dans un léger salut et dit « La comtesse envoie ses excuses, elle a une migraine, elle mangera dans sa chambre, elle espère nous voir tous les deux au dîner. » Meredith fit un signe de tête et s'assit, et immédiatement un domestique qui étala devant lui un apron, versa du vin et de l'eau glacée dans les verres. « Une bonne matinée, monseigneur ?» demanda le peintre. « Très bonne, très instructive. Le docteur Meilleur est un excellent témoin. Un homme intelligent, je suis étonné qu'il n'ait pas mieux réussi lui-même dans la vie. » Meredith haussa les épaules et ignora l'insinuation. Il n'avait aucune envie de se laisser entraîner dans une discussion avec l'antipasto. Black attaqua son repas et sirota son vin, et ils mangèrent en silence pendant quelques instants. Puis le peintre demanda de nouveau. « Et votre santé, monseigneur ?»« Médiocre, j'en ai peur. Le diagnostic de Meilleur est plus mauvais que je ne m'y attendais. 3 mois, a-t-il dit. »« Souffrez-vous beaucoup ?»« Beaucoup. »« En 3 mois, lui dit le peintre. » Vous termineriez difficilement votre procès. Meredith sourit tristement. J'ai bien peur que non. Heureusement, l'Église ne se préoccupe pas de presser ces choses. Un siècle ou deux ne compte pas. Et cependant, j'ai l'impression que vous êtes désireux de le terminer. Les témoins sont disponibles, répondit calmement Meredith. Certains d'entre eux coopèrent. Plus je peux recueillir de témoignages actuellement, mieux cela vaut pour tous. De plus, Il enleva une miette de pain du coin de ses lèvres pâles. Lorsque votre terme de vie a été fixé, vous réalisez soudain combien il est court. La nuit vient quand un homme ne peut plus travailler.
Avez-vous peur de la mort, monseigneur ? Qui n'en a pas peur ? Black lui grimaça un sourire sardonique. Vous êtes franc, au moins, à ce sujet. La plupart de vos confrères ne le sont pas, vous savez. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore eu à faire face à la réalité, répondit aigrement Meredith. L'avez-vous fait ? Black rit tout bas et prit une longue gorgée de vin, puis s'adossa à sa chaise tandis que le domestique changeait les assiettes devant lui. Il s'excusa. Moqueur. Je vous taquinais, monseigneur, pardonnez-moi. Meredith se pencha sur son poisson et ne dit rien. Quelques instants plus tard, Paolo Sanduzzi sortit du bouquet d'arbrisseaux, traversa la pelouse et se dirigea vers la cuisine. Le peintre l'observa et Meredith observa le peintre avec un curieux regard de côté. Lorsque le garçon eut disparu derrière l'angle de la maison, Black ramena son attention vers la table et dit négligemment. « Charmant garçon, un classique David. Quelle pitié de penser qu'il ira monter en graines dans un village comme celui-ci. Je me demande pourquoi l'église ne fait pas quelque chose pour lui. » Vous ne pouvez laisser le fils d'un béato courir après les filles et avoir des ennuis avec la police comme n'importe quel autre garçon, n'est-ce pas ? » Cette douce effronterie de l'homme était plus que pouvait supporter Meredith. Il posa bruyamment son couteau et sa fourchette et dit avec une froide précision. « Si le garçon est corrompu, monsieur Black, vous en serez le seul responsable. Pourquoi ne partez-vous pas et ne le laissez-vous pas tranquille ?» À sa grande surprise, le peintre rejeta la tête et rit. « Meilleur a dû être un très bon témoin, en effet. Que vous a-t-il dit d'autre sur moi ? » « N'est-ce pas suffisant ? » demanda calmement Meredith. « Vous faites une chose détestable. Vos vices cachés sont une affaire entre vous et le Tout-Puissant. Mais lorsque vous entreprenez de corrompre ce garçon, vous commettez un crime contre nature. » Il avait à peine fini de parler que Black l'arrêta net. « Vous m'avez déjà jugé, n'est-ce pas, Meredith ? » Vous avez recueilli les lambeaux d'immondes commérages autour du village et vous m'avez condamné avec eux avant d'avoir entendu un mot pour ma défense. Merci pour la patte-patte. Meredith rougit. L'accusation était désagréablement proche de la vérité. Il répondit calmement. Si je vous ai mal jugé, monsieur Black, j'en suis profondément désolé. Je serais plus qu'heureux. Je serais plus qu'heureux de vous entendre démentir ces rumeurs. Le peintre rit amèrement. Vous voulez que je me défende auprès de vous ? Du diable si je le ferai jamais, monseigneur. Au contraire, je vous prendrai sur votre propre terrain. Mettons que je sois ce que tout le monde croit, un homme anormal, un corrupteur de jeunes gens, que m'offre l'Église par la voie de la foi, de l'espérance et de la charité. Il pointa un doigt maigre accusateur vers le prêtre. Comprenons-nous, Meredith. Vous pouvez bluffer vos pénitents et charmer vos congrégations du dimanche, mais vous ne pouvez me leurrer. J'ai été catholique moi-même et je connais toute cette routine de pacotille. Vous savez pourquoi j'ai laissé l'Église ? Parce qu'elle répond à toutes les dernières questions qui lui conviennent, sauf à celle qui vous est nécessaire. Pourquoi ? Vous me dites que je commets un péché contre nature parce que vous pensez que j'aime ce garçon et que j'ai de l'intention de le faire succomber ? Examinons cela. Si vous pouvez me donner une réponse satisfaisante, je vous ferai une promesse. Je ferai mes valises et m'en irai par le premier moyen de transport disponible. Êtes-vous d'accord sur cela ? Je ne peux pas marchander avec vous, répondit Meredith. Je vous écouterai et j'essaierai de vous répondre. C'est tout. Nicolas Black rit violemment. Vous vous esquivez déjà, vous voyez ? Mais j'accepte quand même. Je connais toute votre argumentation sur la question de l'usage et de l'habit du corps. Dieu le créa pour la procréation des enfants d'abord, et puis pour le commerce d'amour entre l'homme et la femme. C'est le but. Tous les actes de notre corps doivent se conformer à cette fin, et tout le reste est un péché. Le péché, selon la nature, est un acte d'excès de l'instinct naturel, comme de dormir avec une jeune fille avant de l'épouser ou de désirer la femme d'un autre. Désirer un garçon de la même façon est un péché contre nature. Il sourit sardoniquement au visage pâle et attentif du prêtre. Est-ce que je vous surprends, Meredith ? J'ai eu la tête farcie de Thomas d'Aquin aussi, mais il y a une colle. Et voilà ce à quoi je veux que vous répondiez. Et ma nature, je suis né ainsi. J'étais un jumeau. Si vous aviez vu mon frère avant sa mort, vous auriez vu le mal parfait, le mal excessif, si vous voulez,
Quant à moi, ce que je devais être n'était pas tout à fait clair. Mais je l'ai compris assez tôt. C'était dans ma nature d'être plus attiré par les formes que par les femmes. Je ne fus pas séduit dans une salle de douche ou tenté par de l'argent dans un bar. Je suis fait ainsi. Je ne peux le changer. Je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas demandé à naître tel que je suis. Dieu sait que j'ai assez souffert à cause de cela. Mais qui m'a fait, selon vous? C'est Dieu. Ce que je désire et ce que j'ai fait est en accord avec la nature qu'il m'a donnée. Dans le feu de la discussion, son attitude était passée de l'insultant sardonisme à un appel à la compréhension. Il en était inconscient lui-même et Meredith fut rapide à le remarquer. Et il eut honte encore une fois de son manque de jugement. Là se présentait le lieu et le moment tout prêt pour lui. Mais de nouveau, semblait-il, par manque de sagesse et de sympathie, il les avait mal utilisés. Le peintre enchaîna, les mots se déversant de sa bouche en un flot amer. Vous-même, regardez-vous, vous êtes prêtre. Vous savez fichtrement bien que si j'entreprenais de séduire une fille au lieu du jeune Paolo, vous auriez une opinion complètement différente. Vous m'auriez désapprouvé, bien sûr. Vous m'auriez fait un discours sur la fornication et tout le reste. Mais vous n'auriez pas été trop mécontent. J'aurais été normal, selon la nature. Mais je ne suis pas fait ainsi. Dieu ne m'a pas créé ainsi. Mais ai-je besoin de moins d'amour, de moins de satisfaction? Ai-je moins le droit de vivre dans le contentement parce que quelqu'un part au cours de sa création, le Tout-Puissant, a glissé d'un cran? Quelle est votre réponse à cela, Meredith? Quelle est votre réponse pour moi? Me lier par un nœud et m'adonner au badminton et attendre qu'il fasse de moi un ange dans le ciel? Ou n'ont-ils plus besoin de cela? Je suis solitaire. J'ai besoin d'amour comme le premier venu. Mon genre d'amour. Dois-je vivre dans une cellule matelassée jusqu'à ma mort? Vous êtes l'Église, l'Église a toutes les réponses. Donnez-moi celle que je réclame. Il se tut et s'assit, attendant son silence défiant Meredith bien plus que son accès d'invective. Meredith regardait le petit tas de miettes sur son assiette et choisit les mots pour former sa réponse. Il essaya une muette prière pour cette âme dénudée devant lui, mais la prière comme l'argument semblait étrangement aride et impuissante. Au bout d'un moment, elle répondit gravement. Vous me dites que vous avez été catholique. Même si vous ne l'étiez pas, vous comprendriez les mots et ce qu'ils signifient. Pour votre problème, et un tas d'autres, il n'y a de réponse qui n'implique qu'un mystère et un acte de foi. Je ne puis vous dire pourquoi Dieu vous a fait tel que vous êtes, pas plus que je ne puis dire pourquoi il a planté un carcinome dans mon estomac pour me faire mourir dans la souffrance, tandis que d'autres hommes meurent paisiblement en dormant. L'écran dans la création semble glisser tout le temps. Des enfants naissent avec deux têtes, des mères de famille deviennent folles et courent avec des couteaux à la main. Les hommes meurent des fléaux de la famine et de l'orage. Pourquoi? Dieu seul le sait. S'il y a un Dieu? J'accepte le si, répondit Meredith avec un tranquille intérêt. S'il n'existe pas un Dieu, alors l'univers est un chaos sans aucune signification. Vous y vivez aussi longtemps et aussi agréablement qu'il vous est possible. En tirant le meilleur. Vous prenez votre Paolo et êtes heureux avec lui. La police et la société le permettant. Je ne peux me disputer avec vous. Mais s'il y a un Dieu, et je crois qu'il existe, alors... Ne me dites pas le reste, monseigneur, dit le peintre amèrement. Je le connais par cœur. Quel que soit le sanglant désordre dans lequel se meut la création, vous l'acceptez et l'aimez. Parce qu'un Dieu contraire pèse sur votre dos. Si vous le supportez assez longtemps, ils feront de vous un saint comme Giacomo Nerone. Ce n'est pas une réponse, Meredith. En avez-vous une meilleure, monsieur Black? J'en ai, en effet. Gardez votre croix et votre cilice, Meredith. Moi, je prends la monnaie en main et je jette le reste. Il repoussa sa chaise, se leva et sans dire un mot de plus, rentra dans la maison. Blaise Meredith essuya ses mains moites avec sa serviette, prit une gorgée de vin pour humecter ses lèvres sèches. Il fut surpris de trouver le vin soudainement aigre, comme du vinaigre sur une éponge. Fin du chapitre 11. Petite pause. Désolé pour les petites erreurs à la fin du chapitre. Ça devient compliqué, hein? Est-ce que tout va bien, les gens? Je vois que
Je vois que ça monte et ça descend. Attendez, je prends un peu d'air frais. Oui, ça va, t'inquiète. Super. J'espère que l'histoire est compréhensible. On arrive à la fin. Alors attendez, j'allais me prendre quelque chose à boire. Quelque chose de frais. Ok, là pour le coup c'est très frais. Du coup vous avez de l'orage, vous avez de la chance. Hein. Vous avez de la chance, j'espère que vous pouvez en profiter et que le vent se lève bien. On va pouvoir lire le dernier chapitre de la soirée. Attendez, je regarde les notifications, histoire de faire une petite pause. Ok, on va pouvoir reprendre du coup. Reprenons. Chapitre 12. Au début du même après-midi, dans la petite massure nichée, dans le bouquet de houx, Nina Sandouzi parlait avec le monseigneur de Rome. Ils s'étaient assis chacun à côté de la table rudimentaire et bien brossée, à mi-chemin entre la porte ouverte et le grand lit de cuivre où Giacomo Nerone avait dormi et où son fils était né. Après la chaleur brûlante de l'extérieur, la chambre était fraîche et sombre. Et même le vacarme des cigales était assourdi jusqu'à devenir une monotonie à peine perceptible. La marche à travers la colline avait rapidement fatigué Meredith. Son visage était livide, ses lèvres exsangues. Et une petite douleur lui nouait le creux de l'estomac. Nina Sandouzi le regardait avec une légère pitié. Elle avait très peu l'expérience des prêtres, et ceux qu'elle connaissait, comme le père Anselmo, étaient très peu recommandables. Mais celui-ci était différent. Il devait avoir de la compréhension et de la délicatesse. Il ne violerait pas trop rudement l'intimité de son passé avec Giacomo. Néanmoins, elle était circonspecte, et... lorsqu'il commença à l'interroger, elle répondit brièvement et sans douceur. Meredith, de son côté, était attentivement délicat. « Je veux que vous compreniez quelque chose, avant tout. Il y a des questions qui doivent être posées. Quelques-unes d'entre elles peuvent paraître étranges, brutales même. Je les pose, non pas parce que je pense du mal de Giacomo, mais parce que nous devons essayer de tout savoir, bon et mauvais, sur cet homme. Comprenez-vous cela, signora ?» Elle inclina calmement la tête. Il vaut mieux m'appeler par mon nom de Nina. Le docteur le fait. Pardon. Le docteur le fait, et vous êtes son ami. Je vous remercie, Nina. Maintenant, Nina, selon mes renseignements, peu de temps après son arrivée à Diemello, Nerone et vous avez vécu ensemble. Nous étions amants, répondit Nina. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Meredith, l'homme de loi, sourit là où autrefois il aurait pu froncer les sourcils. Il continua.
Vous étiez une catholique, Nina. Giacomo aussi. N'avez-vous pas songé que c'était un péché contre Dieu? Quand vous êtes seul, monseigneur, quand la peur est juste derrière la porte et que l'hiver vient et que, demain, vous pouvez ne pas être vivant, vous pensez à ces choses et vous oubliez le péché. On ne peut jamais l'oublier. On ne peut jamais l'oublier tout à fait. Pas tout à fait. Mais lorsque ces choses arrivent si souvent, même à des prêtres, elles ne vous paraissent pas si mauvaises. Meredith inclina la tête. Une semaine plus tôt, il aurait pu moins comprendre et en aurait dit davantage. À présent, il savait que le cœur avait des raisons plus profondes que la plupart des prédicateurs ne l'avaient jamais su. Il demanda encore. Vos relations avec cet homme, vos relations physiques, étaient-elles normales? Vous a-t-il jamais demandé ce qui ne devrait pas être permis entre les hommes et les femmes? Elle le regarda avec un étonnement qui dura un moment, puis elle releva fièrement la tête. Nous nous aimions, monseigneur. Nous avons fait ce que font les amants et étions contents l'un de l'autre. Que pouvait-il y avoir d'autre? Rien, répondit Meredith avec hâte. Mais si vous vous aimiez tant, pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Vous alliez avoir un enfant. N'aviez-vous aucun devoir envers lui? Qu'en pensait Giacomo Narone? Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il vit un sourire s'épanouir sur les lèvres et illuminer ses yeux. C'était comme un reflet de l'ancienne Nina, celle qui avait désiré tenir un homme dans ses bras et était prête à affronter le bourreau pour l'avoir. Elle lui répondit dans un dialecte animé et coloré. « Vous posez tous la même question, comme si elle était grosse et importante, quand ce n'est qu'une verrue sur un melon vert. Vous ne comprenez pas comment c'était en ce temps-là. Seul le jour que l'on vivait était certain. Le lendemain, la police pouvait venir, ou les Allemands, ou les Anglais. » Nous pouvions tous mourir de typhon ou de malaria. Un anneau au doigt ne signifiait rien. J'ai eu un anneau, mais pas d'homme pour aller avec l'anneau. Giacomo refusait-il de vous épouser? Je ne lui ai jamais demandé. Plus d'une fois, il m'a dit qu'il m'épouserait si je le voulais. Et vous ne vouliez pas? Encore une fois, l'ancienne flamme étincela dans ses yeux et le fier sourire grec releva les coins de ses lèvres. Vous ne comprenez pas encore, monseigneur. J'avais eu un mari autrefois. Je voulais le garder et l'armée l'a emmené. Et il a été tué au loin. Pour le moment, j'avais un homme. Si elle avait voulu s'en aller, il serait parti et aucun anneau ne l'aurait retenu. Si la police ou les soldats l'avaient pris, il aurait été encore perdu pour moi. Le mariage pouvait venir plus tard si jamais cela était assez important. De plus, Giacomo parlait souvent d'une autre chose. Qu'était-ce? Il s'était mis dans la tête qu'un jour, bientôt, quelque chose lui arriverait. Il était déserteur, et si les Anglais gagnaient la guerre, ils l'arrêteraient. Les fascistes étaient encore actifs et pouvaient l'arrêter. Ou les Allemands. S'il était pris, je n'aurais jamais su s'il était mort ou vivant. Il voulait que je reste libre, pour pouvoir me remarier. Libre, pour le renier, afin qu'il ne puisse pas nous punir, moi et l'enfant. Cela était-il important pour vous, Nina? Pour moi, non. Mais pour lui, oui. Si cela le rendait heureux de juger ainsi, j'étais heureuse aussi. Rien d'autre ne comptait. Avez-vous jamais aimé, monseigneur? Jamais, je crains. Les lèvres minces de Meredith se plissèrent dans un sourire. Il vous faudra être patiente avec moi, Nina. Dites-moi, lorsque vous viviez ensemble, quelle sorte d'homme était Giacomo? Était-il bon pour vous? C'était presque étrange de voir les souvenirs refluer vers elle comme tout son corps semblait renaître tel une fleur sous la pluie. Dans sa voix même, on percevait une sorte de splendeur. Quelle sorte d'homme? Comment voulez-vous que je réponde à cela, monseigneur? Tout ce que pouvait désirer une femme se trouvait en cet homme. Il était fort dans le lit, et pourtant aussi doux qu'un bébé. Il pouvait être si fâché que l'on tremblait devant son silence, et pourtant il n'a jamais levé la main ou haussé la voix. Quand je le servais, il en était reconnaissant et me remerciait comme si j'étais une princesse. Lorsque j'avais peur, il me faisait rire. Et lorsqu'il riait, c'était comme le soleil à son lever le matin. Il n'avait peur de personne et de rien, sauf de me voir peiner. Et cependant, lui dit Meredith avec une brutalité voulue, il vous a quitté quand vous étiez enceinte et n'a plus jamais vécu avec vous de nouveau. La tête de Nina se releva, fière comme une déesse de marbre au soleil. Nous avons vécu ensemble en nous aimant et nous nous sommes séparés en nous aimant. Et il n'y eut jamais un jour dans la suite où je ne l'ai aimé. L'hiver s'épuisa dans une longue alternance d'orages et de calme glacé. Il y eut beaucoup de malades au village et dans les montagnes.
Quelques-uns moururent, d'autres guérirent. Mais lentement, à cause de l'humidité et de l'air insalubre des massures fermées, et parce que la nourriture diminuait chaque jour un peu plus. Il y eut une fois une épidémie qui se manifesta par des taches sur le corps, des yeux rouges et de la fièvre. Nina l'attrapa elle-même. Elle se souvenait du docteur et de Giacomo, parlant gravement dans le coin de la chambre de quelque chose qu'ils appelaient rubella. Mais elle en guérit bientôt. Elle n'y pensa plus. Giacomo, même, montrait des signes de la fatigue de son long hiver. La chair avait fondu autour de sa grande ossature. Ses joues brunes et barbues étaient creuses et ses yeux enfoncés et rouges lorsqu'il rentrait péniblement le soir à la maison après une journée dans les collines. Nina, avec les nausées constantes et la fatigue du début de la grossesse, chez certaines femmes, constata que la monotonie de la nourriture la dégoûtait, et à mesure que son corps s'épaississait lentement, elle fut même peu disposée au jeu de l'amour, dans lequel elle s'était tellement et si franchement délectée antérieurement. Ces deux choses la tourmentaient. Un homme est un homme et il avait besoin d'être apaisé et satisfait, quoi que puisse ressentir sa femme. Mais Giacomo ne ressemblait pas aux hommes de sa race à elle. Il était doux avec elle lorsqu'elle était malade. Il lui préparait lui-même la nourriture pour la tenter. Si elle n'était pas disposée à les satisfaire, il ne la forçait pas et, durant ses nuits lugubres, quand l'orage grondait, lui racontait pour la distraire des histoires sur des pays étranges, sur des gens, des villes, où les maisons s'élevaient comme des blocs jusqu'au ciel presque. Elle l'aimait encore davantage pour ses attentions, d'autant plus qu'elle lui connaissait des soucis personnels, des problèmes qui le tenaient éveillé la nuit et le préoccupaient le jour. Il en parlait quelquefois avec elle, cherchant la phrase exacte en dialecte pour bien s'expliquer. En cela aussi, il ne ressemblait pas aux hommes de sa race, qui prenaient leurs conseils dans la boutique du marchand de vin et non de leur femme, parce qu'une femme était censée ne rien savoir, à part la maison, le lit et les plus simples aspects de la religion. Mais Giacomo parlait librement, de telle sorte qu'elle se sentait sage et forte auprès de lui. Écoute, Nina Mia, tu sais ce qu'il arrive quelquefois qu'un homme fasse une chose qui le fait haïr par sa femme, parce qu'elle n'en comprend pas le motif. Je sais, caro mio, mais moi, je te comprends. Pourquoi t'en tourmenter? Quel que soit ce que j'ai fait, tu m'aimerais encore? Toujours. Alors écoute donc, Nina. Ne m'arrête pas, car c'est difficile à dire. Lorsque j'aurai terminé, tu me diras si tu as compris ou non. Pendant longtemps, alors, j'étais un homme perdu. Je ressemblais à un calabré se tenant au milieu de Rome et demandant à chacun « Qui suis-je? D'où suis-je venu? Où vais-je ?» Personne ne lui répond, bien entendu, parce qu'ils ne le comprennent pas. Et même si eux l'avaient compris, lui ne les aurait pas compris car il ne parle pas la langue romaine. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où j'étais comme toi. Je savais que je venais de Dieu et qu'à la fin, je retournerais à lui. Que je pouvais lui parler à l'église et le revoir en moi dans la communion. Je pouvais mal faire et être toujours pardonné. Je pouvais errer un peu et revenir toujours dans le droit chemin. Puis soudainement, il n'y eut plus de chemin. Rien que les ténèbres et des voix me criant « Par ici, par là !» J'ai suivi les voix dans une obscurité plus profonde encore, et là, il y eut d'autres voix, mais pas de chemin. J'étais perdu. Il n'y avait plus ni Dieu, ni église, ni endroit pour aller à la fin. J'étais ton calabré, criant dans une ville d'étrangers. Quand cela m'arriva à Messine, je ne pouvais pas faire comme les autres et dire « C'est la guerre! C'est le prix de la paix !» Je l'oublierai et continuerai à me battre pour ce en quoi je crois. Je ne croyais en rien, ni à la guerre, ni à la paix, à rien du tout. Il n'y avait qu'un enfant, une femme et un vieil homme que j'avais tué sans aucune raison valable. Puis je commençais à courir, et soudainement, sans savoir pourquoi ni comment, je me retrouve ici avec toi, chez moi de nouveau. Mais rien n'est tout à fait pareil. Je suis changé. Il ne fait plus noir, mais brumeux, comme la vallée de la première lueur grise du matin. Je te vois, je te connais et je t'aime, parce que tu es toute proche et que tu m'aimes aussi. Mais au dehors, c'est la brume et l'étrange. Les gens m'aiment sont autres. Ils me regardent avec des yeux émerveillés, sans que j'en comprenne la raison. Je suis pour eux un grand bonhomme. Ils comptent sur moi. Je suis leur calabré, qui a été dans la grande ville et l'a vue tout entière.
qui connais le pape et le président et la manière de faire les choses. Je suis leur homme de confiance. J'en devrais être fier, mais je ne le suis pas, parce que je marche dans la brume, ne sachant toujours pas d'où je viens. Et je vais où je vais et ce que je devrais faire. Peux-tu me comprendre, Nina? Ou est-ce que je parle comme un fou? Tu me parles avec amour, car Romeo, et mon cœur comprend. Comprendras-tu ce que je vais te demander? Lorsque tu me tiens ainsi et que je sens ton amour dans tes mains et dans ta voix, rien n'est difficile. Il est difficile pour moi de te le dire. Quand viendra le printemps et que la vie sera plus facile, je voudrais te quitter, m'éloigner pour quelque temps. Non, car Romeo, pas loin de la vallée, mais de cette maison. Mais pourquoi, car Romeo, pourquoi? Pour deux raisons, et la première me concerne personnellement. Je veux me trouver un petit coin caché, le construire s'il le faut de mes mains. Je veux vivre là, seul avec ce Dieu dont je ne peux plus entrevoir le visage. Je veux lui dire, regardez-moi, je suis perdu. Si vous êtes là, éclairez-moi, montrez-moi ce que je suis, d'où je viens, où je vais. Ces gens qui sont vos créatures, qui vous connaissent, pourquoi se tournent-ils vers moi et non vers vous pour les aider? Ai-je sur le front un signe que je ne puis distinguer? Si je l'ai, dites-moi ce qu'il signifie. Je dois faire cela, Kara. Et qu'adviendra-t-il de moi et de ton enfant? Je serai ici tout le temps. Je te verrai souvent, et si Dieu se manifeste à moi, je lui parlerai pour toi. Parce que, s'il sait absolument tout, il sait que je t'aime. Et pourtant, tu t'en vas loin de moi. Il y a de l'amour en cela aussi, Nina. Plus l'amour que tu n'imagines. Plus d'amour que tu n'imagines. Et une raison importante aussi. Quand viendra le printemps, les armées seront de nouveau en mouvement. Les Allemands seront là d'abord, et les combats se dérouleront au sud d'ici. Les partisans y prendront part pour harceler les Allemands, et les alliés devront les repousser jusqu'à la fin. Quelques-uns de ceux-là, ou tous, finiront par venir à tour de rôle à Gemello. J'attirerai leur attention à cause de ma situation ici. Giacomo Nerone, l'homme de confiance, l'homme grand et brun. Si j'ai de la chance, ils m'accepteront et je pourrai aider les villageois. Sinon, l'une ou l'autre de ces armées m'arrêtera et, probablement, me tuera. Dieu, non! Cela peut arriver, Nina. C'est peut-être cela qui se trouve derrière les brumes et qui me fera voir le visage de Dieu en même temps que celui du bourreau. Je ne sais pas, mais quels que soient les événements, nous devons nous séparer quand viendra le printemps. Tu ne peux te compromettre avec moi à cause de l'enfant. Si je suis pris, meilleur prendra soin de toi, sinon je serai ici pour veiller sur toi. Et si cela se termine bien, je t'épouserai et donnerai mon nom au garçon. Vous êtes miens tous les deux, et je vous aime, et je ne vous laisserai pas souffrir, ni pour moi, ni pour les autres. Je souffrirai de toute manière lorsque tu ne seras pas ici. Moins de cette façon que de l'autre, Nina. Il y aura autant de haine que tu ne pourras le croire. J'ai vu tout cela déjà, et c'est vraiment affreux. Serre-moi, car Romeo, serre-moi, j'ai peur. Repose-toi dans mes bras, carissima. Et écoute battre mon cœur. Je suis ton homme de confiance aussi et tu peux dormir en sécurité. Maintenant, peut-être, mais quand tu seras parti? Je ne serai jamais tout à fait parti, Nina Mia. Et jamais jusque dans l'éternité. La simplicité biblique de son récit était plus puissante que toute rhétorique. Et Blaise Meredith, l'homme desséché des congrégations, s'y trouva entraîné comme une brindille dans un torrent. Même à travers le rude dialecte, les paroles de Nina résonnaient comme les vers d'un poète dans la bouche d'un amant, longtemps chéri et survivant dans le souvenir. Derrière eux, le visage de Giacomo Nerone prenait forme et s'affirmait dans la réalité. Visage émacié, sombre et douloureux, à la bouche tendre, aux yeux profonds, pleins de douceur. Le visage d'un chercheur, l'un de ceux qui pèsent le fardeau des mystères et qui parvient parfois à une grande sainteté. Mais ceci ne suffisait pas aux vieux avocats de la congrégation des rites, les inquisiteurs du Saint-Office. Il leur en fallait bien plus que cela, et Blaise Meredith devait s'en charger. Aussi, avec plus de douceur, mais non moins d'insistance, il interrogea encore Nina Sanduzzi. Quand vous avez-vous quitté? Après le dégel, quand éclata le printemps. Et jusqu'au moment où il vous a quitté, il a dormi avec vous, fait l'amour avec vous? Oui, pourquoi? Rien. C'est une question qui doit être posée. Mais ce que Meredith ne me dit pas à Nina, c'est ce que lui prouver.
C'est ce que cela lui prouvait, à lui, Meredith. Néroné était toujours un homme dans les ténèbres, un chercheur peut-être, mais un homme qui n'avait pas encore trouvé son Dieu, ni fait l'acte d'abandon à sa volonté. Il y avait de l'amour en lui, mais ce n'était qu'un symbole encore vague de l'amour, qui est le commencement de la sainteté. Et après son départ, que s'est-il passé? Il monta jusqu'au col de la vallée, à l'endroit où se trouvent les cavernes, et commença à construire sa massure. Il dormait dans une caverne pendant ce temps, et préparait lui-même sa nourriture, et, durant la journée, fit ce qu'il avait fait tout l'hiver, parcourut la vallée, travaillant pour ceux qui ne le pouvaient pas, soignant les malades, apportant la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Le voyez-vous durant ce temps? Il venait tous les jours comme il l'avait promis. Avait-il quelque peu changé? À mon égard, non, sauf qu'il était encore plus doux et plus attentionné. Avez-vous fait l'amour? Elle sourit encore une fois avec une légère pitié pour son ignorance de prêtre. J'étais enceinte de l'enfant, monseigneur, j'étais calme et satisfaite, et il ne me le demandait pas. Avait-il personnellement changé? Oui, il avait maigri plus que jamais. Ses yeux s'étaient profondément enfoncés, il n'avait que la peau sur les os. Mais il était toujours souriant et plus heureux que je ne l'avais jamais vu. A-t-il dit pourquoi? Au commencement, non. Puis un jour, il prit mes mains dans les siennes et dit « Je me suis retrouvé, Nina. Je me suis retrouvé de nouveau. » Il s'était rendu à Gemello Maggiore pour se confesser au jeune père Mario et me dit qu'il se préparait à communier le dimanche. Il me demanda si je voulais l'accompagner à l'église le même jour. « Y êtes-vous allé ?»« Non. Le samedi, les Allemands arrivèrent et établirent leur quartier général dans la villa. » Petite pause. Ils arrivèrent le matin de bonne heure, tandis que l'on se frottait encore les yeux de sommeil au village. Une voiture blindée conduite par un sergent avec un capitaine a l'air préoccupé, assis à l'arrière. Deux camions de troupes et une quatrième voiture chargée de munitions et de fournitures. Ils secouèrent la route poussiéreuse de leur front brissement moteur, inspectèrent un peu la rue étroite du village avec un vacarme de débrayage et quelques étranges jurons, puis se dirigèrent tout droit du côté de la dernière colline, vers la villa de la comtesse de Sanctis. Nina Sanduzzi les entendit venir, mais leur prêta peu d'attention. Lourde de sommeil et plongée dans la lointaine expectative d'une femme qui sent pour la première fois la vie remuer en elle, elle ne fut complètement réveillée qu'en entendant des coups pressés à sa porte et à la voix d'Aldo Meyer lui demandant d'ouvrir. Lorsqu'elle le fit entrer, elle fut surprise de le voir habillé pour la route, avec de lourdes bottes, une veste en peau de mouton et un ballot accroché aux épaules. Il demanda d'abord à manger et pendant qu'elle s'affairait à lui préparer quelque chose, il se mit à lui parler en phrases rapides et précises, mi-effrayée, mi-exaltée. Lorsque vous verrez Giacomo, dites-lui que je me suis tiré. Les Allemands sont ici et ils ne tarderont pas à savoir qu'il y a un juif dans la vallée. S'ils m'attrapent, ils m'enverront au nord, vers les camps de concentration. J'emporte mes instruments et quelques médicaments, mais j'en ai laissé une provision pour Giacomo dans la grande boîte sous mon lit. Mais où allez-vous, dottore? Plus à l'est, dans les collines du côté de Saint-Bernard-d'Irno. C'est une cachette de partisans et je suis en contact avec eux depuis quelque temps. Leur chef est un homme qui se fait appeler Il Lupo. Je crois qu'il est venu d'une heure spécialement dans cette intention. Il paraît être un homme entraîné. Il possède des fusils, des munitions et un bon système de communication. Si Giacomo désire m'atteindre, dites-lui d'aller le long de la route de Saint-Bernard-d'Irno. Bernardino. Je vais pas y arriver. Pendant une dizaine de kilomètres. Ensuite, il tournera à un endroit qu'ils appellent le rocher de Satan. C'est là que se trouvent les premiers postes de sentinelle des partisans. Il devra grimper jusqu'au sommet du rocher, s'asseoir, allumer une cigarette, puis prendre son mouchoir et le nouer autour de son cou. Quelqu'un viendra alors prendre contact avec lui. Avez-vous bien compris cela? C'est important. S'il oublie, on peut lui tirer dessus. Je n'oublierai pas. Elle posa sur la table devant lui du café, du pain et du fromage et, pendant qu'il mangeait, elle préparait un petit paquet de nourriture et le mit dans son havresac. C'est seulement quand elle vit le pistolet et sentit les formes dures des munitions qu'elle comprit ce que Giacomo lui avait dit. D'ailleurs, rentrée à Gemello Minore et toute la haine et la tuerie aussi. La bouche pleine de pain et de fromage, Meyer lui dit. J'ai essayé d'amener Giacomo à venir avec moi et de vous amener aussi. Les Allemands ne sont pas plus aimables avec lui qu'avec moi.
il peut être fusillé comme espion. Qu'a répondu à cela Diacomo? Il a ri et m'a répondu qu'il connaissait les Allemands mieux que moi. J'espère qu'il a raison. À quel moment de la journée le voyez-vous habituellement? Elle haussa les épaules et fit un geste vague de la main. C'est variable. Parfois tôt dans la journée, parfois tard, mais il vient régulièrement. Meilleur la regarda, railleur, par-dessus la tasse. Êtes-vous heureuse de cet arrangement, Nina? Je suis heureuse avec Giacomo. Il n'y a jamais eu un homme comme lui. Meilleur sourit aigrement. Vous pouvez avoir raison en cela. Savez-vous ce qu'il fait là-haut dans sa massure? Il prie. Il médite. Il travaille dans son jardin. Quand il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, ou qu'il ne se trouve pas dans les collines. Pourquoi demandez-vous cela? Je suis monté là-haut l'autre soir pour le chercher et lui parler de cette histoire. Je l'ai appelé, mais en vain. Quoique la lampe fût allumée, je suis entré et je l'ai trouvé agenouillé sur le sol au milieu de la massure, les bras étendus, les yeux fermés, la tête rejetée en arrière et les lèvres remuant. Je lui ai parlé, mais il ne m'a pas entendu. Je me suis approché de lui et l'ai secoué, mais son corps était tout à fait raide, je n'ai pas pu le remuer. Je suis parti quelques instants après. Les yeux sombres de Nina n'exprimèrent aucune surprise. Elle inclina la tête et dit tout à fait négligemment. Il m'a dit qu'il priait beaucoup. Et ne mange pas beaucoup non plus, dit Milliard avec une légère irritation. Cela aussi. Il est devenu très maigre. Mais il dit que la prière lui donne la force dont il a besoin. Il devrait prendre davantage soin de lui-même. Beaucoup de gens dépendent de lui. À présent que les Allemands sont ici, ils en dépendront bien plus. Cette histoire de prière est bien dans son genre, mais les hommes deviennent fous quand ils prient beaucoup. Croyez-vous que Giacomo soit fou? Je n'ai pas dit cela. Il est étrange. Voilà tout. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes bons autour de nous. Nous avons oublié à quoi il ressemble. Meilleur rit tout bas et s'essuie les lèvres du revers de sa main. Vous pouvez avoir raison, Nina Mia. Il se leva et rajusta son sac sur les épaules. Bon, je dois me mettre en route. Merci pour le déjeuner et tout le reste. Dites à Giacomo ce que je vous ai dit. Je le lui dirai. Il posa sa main sur les épaules de Nina et l'embrassa sur les lèvres. Elle ne le repoussa pas, car elle l'aimait bien, et parce que c'était un homme qui partait pour sa guerre personnelle. Bonne chance, Dottore. Bonne chance, Nina Mia. Vous le méritez. Elle resta à la porte et le regarda descendre vers la vallée. Elle songea qu'il n'avait jamais semblé aussi jeune, ni aussi vivant, et se demanda nonchalamment ce qui serait arrivé si Giacomo Nero n'était pas venu à Dieme Lominore. Mais Giacomo était là et sa présence remplissait toute sa vie, et lorsqu'il vint la voir ce jour-là, juste avant le déjeuner, elle se jeta dans ses bras désespérément et pleura sur son épaule. Il la garda ainsi jusqu'à ce qu'elle se fût calmée, puis se dégagea avec douceur, l'écouta répéter ce que lui avait dit Meilleur, ainsi que son message. Il l'écouta gravement et dit « J'ai essayé de l'en dissuader. Ces Allemands ne sont pas importants. Un détachement de patrouille, rien de plus. Ils n'en auront pas beaucoup les gens. Mais Meilleur a attendu si longtemps sa guerre personnelle qu'il ne peut voir au-devant de quoi il va. Cela lui fera probablement du bien car Romeo, je l'ai vu partir heureux comme un jeune homme qui va à la chasse. » Nérone secoua gravement la tête et son visage s'assombrit. « Meilleur n'est pas l'homme qu'il faut pour cette bande. » J'ai entendu parler de ce Il Lupo, et je peux deviner d'où il vient. C'est un professionnel et il a été entraîné en Russie. Il veut plus qu'une victoire. Il veut un état communiste en Italie. Quand les Allemands seront repoussés et que les Alliés entreront, il leur demandera le contrôle de l'administration civile. Il l'obtiendra probablement selon leur accord. Meilleur s'est fourvoyé. Il s'imagine que Il Lupo a besoin d'un autre homme à enrôler, mais Il Lupo a besoin d'un homme pour l'utiliser par la suite. Je me demande ce qui arrivera lorsque Meilleur s'en rendra compte. Giacomo haussa les épaules et sourit en posant ses mains ouvertes sur la table. « De toute façon, c'est fait maintenant, et nous avons notre propre tâche à accomplir ici. » Elle apporta un grand bol de pâte, le posa sur la table, et attendit auprès de lui pendant qu'il mangeait. Remarquant comme il se servait modérément et combien peu de sauce piquante il avait pris pour l'assaisonnement. « Et toi, que vas-tu faire, Giacomo ?» Ce que je fais en ce moment, sauf que j'ai dû faire entrer les Allemands dans mes calculs. Je suis monté voir la comtesse il y a 2 jours. Il ne lui avait pas parlé de cela, et elle en ressentit une peine subite et vive de jalousie. C'était comme si elle le voyait retourner dans un monde qu'il avait quitté, un monde où elle lui était perdue pour elle, et où elle n'aurait jamais pu l'atteindre. Mais elle ne dit rien,
et attendit qu'il lui parlât du reste. J'ai avoué que j'étais anglais à la comtesse. Je lui ai laissé croire, sans le lui dire, que j'étais un agent envoyé ici pour préparer la voie aux alliés. Elle a été contente de me voir. Elle se trouve dans une situation embarrassante. Je lui suggérais de me nommer intendant de son domaine afin qu'il me soit possible de parler au commandant allemand d'égal à égal. Elle m'a donné une chambre dans les logements des domestiques. Tu vas habiter à la villa ? J'ai une chambre là-haut. J'y dormirai quand il le faudra. Mais j'aurai un laissez-passer du commandant et je serai libre d'aller et de venir. J'en aurai besoin. Toute la villa a été transformée en un véritable camp retranché. C'est charmant pour la comtesse, lui dit Nina avec une soudaine méchanceté. Elle pourra changer d'homme chaque soir. Le visage de Néroné s'assombrit. Il tendit les bras et lui prit les mains et l'attira doucement vers lui. Ne disons pas cela, carissima. C'est une femme étrange, solitaire, avec un feu dans le sang qu'aucun homme n'a été capable d'apaiser encore. C'est une torture et non une blague. Pourquoi lui jetterions-nous la pierre, nous qui avons tant reçu en partage? Elle dévore les âmes, car Roméo, et je ne veux pas qu'elle te dévore. Elle aura une indigestion si elle essaye, répondit-il avec un sourire. Mais après son départ, la peur resta en elle, et elle se réveilla souvent la nuit rêvant de Giacomo l'avait quitté et avait épousé la femme du haut de la colline, au ventre plat, qui n'avait jamais porté d'enfant. La femme à la bouche pincée et aux yeux de dévoreuse. Je dois encore vous demander autre chose, dit Blaise Meredith de sa voix sèche. Durant cette période, Giacomo Nerodné a-t-il accompli ses devoirs religieux? Est-il allé à la messe et a-t-il reçu le Saint Sacrement? Nina Sanduzzi inclina la tête. Chaque fois qu'il en avait la possibilité. Pardon. La possibilité. Sauf lorsqu'il y avait des malades dans les montagnes, ou des soldats égarés qu'il fallait cacher aux Allemands. Il allait à la messe ici tous les dimanches, et cela me permettait de le voir, bien que nous ayons convenu de ne pas nous asseoir ensemble et de ne pas nous saluer à cause de quelques Allemands qui se trouvaient là. Il venait, semble-t-il, d'une partie de l'Allemagne où les catholiques sont nombreux. Quand Giacomo voulait se confesser, il traversait la vallée pour aller chez le jeune père Mario. Mais pas au père Anselmo. Elle secoua la tête. Le père Anselmo ne l'aimait pas. Ils échangeaient des paroles désagréables. Quelquefois, lorsque le père Anselmo refusait de sortir pour des malades après le couvre-feu. Et que disait Giacomo du père Anselmo? Qu'on devait le plaindre et prier pour lui, mais que les hommes qui l'avaient envoyé ici seraient sévèrement jugés. Que Jésus avait fondé son église comme une maison pour que toute sa famille y vive, mais que certains hommes, des prêtres même, en faisait comme un marché, une boutique de marchands de vin. Qu'ils l'exploitaient comme un commerce et la remplissaient de leurs querelles et de leurs cris, et même en salissant le sol, comme des ivrognes. Il disait que, n'était-ce l'amour de Jésus et la protection du Saint-Esprit, elle tomberait en ruine après une génération. Que ce qu'il fallait à chaque foyer, c'était beaucoup d'amour et peu d'arguments. Et il avait raison. Je sais qu'il avait raison, approuva Meredith. Et il fut étonné de s'entendre parler avec Meredith avec telle véhémence. À présent, dites-moi ce que Giacomo disait et pensait des Allemands. Pour la première fois, la question semblait la faire hésiter. Elle réfléchit un long moment, puis répondit. Il a souvent parlé d'eux, et parfois je trouvais... Pardon. Et parfois je trouvais ce qu'il disait difficile à comprendre. Que les pays ressemblent aux hommes et aux femmes, et que les peuples prennent le caractère du pays où ils vivent. Chaque pays a ses péchés et vertus particuliers. Que les Anglais étaient aussi un peuple sentimental, mais dur et égoïste aussi, parce que vivant sur une île et voulant la garder pour eux seuls, comme ils l'avaient toujours fait. Qu'ils étaient polis, avaient beaucoup de justice, mais peu de charité. Quand ils se battaient, c'était avec opiniâtreté et bravoure, mais oubliaient toujours que plusieurs de leurs guerres découlaient de leur égoïsme et de leur indifférence. Les Américains étaient différents. Ils étaient sentimentaux et durs aussi, mais plus simples que les Anglais, étant une nation plus jeune et plus riche. Ils aimaient posséder des choses, même lorsqu'ils ne savaient comment en jouir. Et comme tous les hommes jeunes, enclins à la violence, ils pouvaient être facilement abusés par les voix retentissantes et la magnificence. Et s'abusaient souvent eux-mêmes parce qu'ils aimaient le son des mots, même s'ils n'en comprenaient pas le sens. Les Allemands étaient... autre chose encore.
Durs travailleurs, ils aimaient l'ordre, la valeur, la capacité et en étaient très fiers. Mais il y avait en eux de la douleur et de la violence qui se libéraient par la boisson et les grands discours et le besoin de s'imposer. Giacomo riait et disait qu'il aimait sentir Dieu dans leur ventre quand jouait la grande musique. Était-ce tout ? Non. Giacomo aimait bien parler ainsi. Il disait « Vous devez écumer la soupe, sinon elle tournerait allègre. » Mais il revenait toujours au même point. Quels que fussent les peuples ou les pays, ils devaient vivre ensemble comme une famille. C'est ainsi que Dieu les avait créés. Et si un frère menaçait son frère d'un fusil, il finirait par s'entretuer. Qu'il y avait des moments où chacun devait ravaler sa fierté et céder, être poli, lorsqu'on avait envie de cracher au visage de quelqu'un. Et c'est ainsi qu'il avait essayé de vivre avec les Allemands ici. Avait-il réussi ? Je le crois, nous avons vécu en paix. Nous n'avons pas été volés. Une jeune fille pouvait aller puiser de l'eau à la citerne et revenir en toute sécurité à la maison. Parfois, quand les partisans tombaient sur une patrouille allemande dans les collines, ils se battaient à mort, mais c'était toujours loin de Diemello. Le couvre-feu était imposé et nous restions chez nous le soir. Si des querelles éclataient, Giacomo parlait au commandant et la chose s'arrangeait. Quelque temps après, les Allemands s'en allèrent et descendèrent vers le sud, et les partisans les suivirent comme les loups suivent les troupeaux dans les abrudes. Et après, en mai, nous apprîmes que Rome était tombée aux mains des Alliés, et au début de juin, Paolo naquit, et il naquit aveugle. Les premiers signes avertisseurs apparurent en fin de matinée, pendant que Giacomo se trouvait chez elle. Des signes légers, incertains, mais Giacomo était si inquiet qu'il insista pour appeler Carla Caresse, la sage-femme, et Serafina Gambilini et Linda Tesoriero. Pardon pour les noms. Il les avait tant pressées qu'elles vinrent en courant et en poussant des clameurs. Mais lorsqu'elles virent que Nina était encore debout et ne souffrait pas du tout, elles entourèrent Giacomo, les mains sur les hanches, et rirent de lui. Nina riait aussi et fut surprise de voir aussi le visage de Giacomo s'assombrir de colère. Sa voix aussi était irritée quand il les arrêta net. « Vous êtes folles toutes. Restez avec elle et ne la laissez pas. Je vais aller chercher le docteur Meyer. » Elles regardèrent ébahies, et Nina elle-même fut stupéfaite parce que cette affaire d'enfantement ne concernait que les femmes. Les docteurs étaient pour les gens malades, et elle savait que si tout marchait bien, un enfantement n'était qu'une simple affaire. Même si elle était bruyante et suivie par un tas de réjouissances, mais avant d'en avoir eu le temps de lui dire tout cela, Giacomo était parti, maigre et inquiétante silhouette, fonçant vers la piste qui conduisait à la route de San Bernardino. Nina se faisait du souci pour Giacomo à cause de la longue distance, mais les femmes se moquèrent d'elle et la rassurèrent. « L'enfant serait né avant qu'il soit de retour, » lui dirent-elles. « Le docteur et lui pourraient se saouler ensemble comme devraient le faire, de bons amis. » Lorsque l'un d'eux devient père, d'un rebondissant bambino. Elles eurent, au moins, à moitié raison. L'enfant était né, lavé et enveloppé. Et dans ses bras, une heure avant l'arrivée de Giacomo accompagné d'Aldo Meyer. Mais ils ne se comportèrent pas comme les autres hommes en pareille circonstance. Giacomo embrassa Nina et la garda un long moment dans ses bras. Aldo Meyer l'embrassa légèrement aussi, comme un frère. Puis Giacomo lui enleva l'enfant des bras et le posa sur la table, éteint la lampe tandis que Meyer auscultait le cœur, regardait dans les oreilles et soulevait les petites paupières en se penchant de plus en plus près pour les examiner. Les femmes formaient un petit groupe près du lit, et Nina se souleva sur les coussins pour demander effrayée. « Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que vous cherchez ? » « Dites-lui, » murmura Aldo Meyer. « Il est aveugle, Carra, » répondit avec douceur Giacomo. Il est né avec une cataracte mûrissant dans ses yeux. C'est la fièvre que tu as eue, la maladie avec les taches qu'on appelle la rubella. Une femme qui l'attrape le second ou le troisième mois de sa grossesse donne naissance quelquefois à un enfant aveugle ou sourd. Elle mit presque une minute à comprendre le sens de ce que lui disait Neuronné, puis elle cria comme un animal et se cacha les visages dans les coussins, tandis que les femmes s'agitaient en caquetant comme des poules autour d'elle pour la réconforter. Un moment après, Giacomo vient près d'elle et lui mit l'enfant dans les bras, et essaya de lui parler, mais elle détourna son visage, car elle avait honte d'avoir donné un enfant aveugle à l'homme qu'elle aimait tant.
Puis, beaucoup plus tard, les femmes partirent, et Giacomo vint près d'elle, avec Aldo Meyer. Elle s'était calmée, et Meyer lui parla sobrement. « C'est une chose triste, Nina. Mais c'est arrivé, et pour le moment, on ne peut rien faire. Si les choses étaient différentes, j'aurais pu vous emmener à l'hôpital de l'Anta, et peut-être plus tard à Naples, pour voir un spécialiste, et savoir s'il est possible de faire quelque chose. Mais la guerre n'est pas encore finie. On se bat toujours, et les routes sont encombrées de réfugiés. » Les unités allemandes en débâcle se battent pour se frayer un passage et retourner chez eux, et les partisans sont à leur poursuite. Naples est une scène de carnage, et vous n'y serez qu'une paysanne de plus, et n'auriez personne pour vous aider. Giacomo est un homme en fuite, et moi je suis lié à ma bande dans les montagnes. Ainsi, pour le moment, il n'y a rien à faire qu'attendre. Quand la paix reviendra, nous verrons ce que nous pourrons faire. Mais l'enfant est aveugle ! C'est tout ce qu'elle pouvait penser ou dire. Les déshérités ont besoin de beaucoup d'amour, lui dit Aldo Meyer. Giacomo ne dit rien, mais le cœur de Nina se brisa presque devant la peine et la pitié qu'elle lisait dans ses yeux. Meyer continua à lui parler de façon apaisante de médecin, lui expliquant le développement de la cataracte dans les yeux de l'enfant, essayant de raisonner sa frayeur du début. Giacomo leur versa du vin et se mit à préparer un repas. Les deux hommes se mirent à table et Nina mangea dans le lit en tenant le bol sur ses genoux et, de sa place, prit part à la conversation. Lorsque l'enfant pleura, elle le prit contre elle, et quand le petit paquet aveugle se mit à chercher son sein, elle s'aperçut qu'elle pleurait silencieusement. Meyer partit avant minuit pour dormir chez lui, enfin à l'abri de la menace du camp de concentration, au moment où Giacomo l'accompagnait à la porte. Nina somnolait, mais elle entendit la voix précise de Giacomo dire « Vous êtes mon ami, Meyer. » Et même si je ne suis pas de votre avis, je vous comprends. Mais gardez Lupo loin du village. Retenez-le loin de moi. » Et la voix de Meyer de répliquer nettement. « C'est l'histoire, mon vieux. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Pas plus que je ne le puis. Quelqu'un doit commencer à organiser. » Le reste de la phrase se perdit, tandis qu'il sortait dans la nuit claire. Quelques instants plus tard, Giacomo revint et lui mit la barre à la porte. Il dit tranquillement. « Tu ne peux pas rester seul cette nuit, car je resterai avec toi. » Alors, tout le désappointement de Nina jaillit comme une source en elle, et elle se serra contre lui, pleurant comme si son cœur s'était brisé. Et il l'était presque en vérité. Puis, lorsqu'elle se calma de nouveau, Giacomo lui arrangea les coussins et baissa la lampe. Et, à travers ses paupières mi-closes, elle le vit faire une chose étrange. Dans un élan tout à fait inconscient, il s'agenouilla sur le sol, ferma les yeux et tendit les bras comme Jésus sur la croix, tandis que ses lèvres remuaient en une muette prière. À un certain moment, tout son corps sembla devenir raide comme un arbre, et quand, effrayée, elle l'appela, il ne l'entendit pas. Elle s'allongea dans le lit et l'observa jusqu'au moment où la fatigue eut raison d'elle et qu'elle glissa dans le sommeil. Lorsqu'elle se réveilla, la chambre était inondée de soleil et Giacomo préparait le café pour le petit déjeuner. Il vint l'embrasser et prit l'enfant dans ses bras et dit gravement « Je désire te dire quelque chose, Nina Mia. Dis-la-moi. Nous nommerons le fils Paolo. C'est ton fils, Giacomo. Tu dois lui donner un nom. Mais pourquoi Paolo ?»« Parce que Paolo, l'apôtre, ne connaissait pas Dieu et, comme moi, le trouva sur le chemin de Damas. » Parce que, comme cet enfant, il était aveugle, mais il vit de nouveau la lumière, par la grâce de Dieu. » Elle le regarda incrédule. Mais le docteur a dit, « Je te le dis, Cara. » La voix de Néroné était forte et profonde comme une cloche. « Le garçon, on verra. La cataracte disparaîtra après 3 semaines. Lorsqu'un bébé doit commencer à distinguer la lumière, notre Paolo verra aussi. Tu tiendras la lampe dans ses yeux, tu verras comme ils vont clignoter et suivre la lumière. Je te le promets au nom de Dieu. » Ne me dis pas cela, rien que pour me réconforter. Je ne pourrais supporter d'espérer et d'être déçu après. » Il y avait de l'angoisse dans la voix de Nina, mais Neroné lui sourit simplement. « Ce n'est pas un espoir, Nina Mia. C'est une promesse. Crois-moi. » « Mais comment sais-tu? Comment peux-tu être sûr ?» Il dit simplement. « Lorsque cela arrivera, Nina, fais comme si cela était nouveau, pour toi aussi. Ne parle à personne de ce que je t'ai dit ce matin. Me le promets-tu ?» Elle inclina la tête en silence, se demandant comment elle pourrait transporter l'attente et le doute. 3 semaines plus tard, au jour et à l'heure fixée, elle enleva le bébé de son berceau et le réveilla. Lorsqu'il ouvrit les yeux,
Lys était clair et brillant comme ceux de son père, et quand elle le tint devant la lumière, il clignota les paupières. Elle couvrit la lampe de sa main, et les yeux de l'enfant regardèrent fixement, puis clignèrent de nouveau lorsqu'elle retira sa main. Le prodige du moment fut comme une révélation. Elle voulut crier, chanter et courir pour appeler les gens de la rue du village pour leur dire que la promesse de Giacomo s'était accomplie. Mais Giacomo était déjà mort et enterré. Les gens du village se détournaient de honte quand elle passait. Aldo Meyer lui-même était parti pour Rome et elle pensait qu'il ne reviendrait jamais. Je dois rentrer à présent, lui dit Monseigneur Blaise Meredith. Il est tard, vous m'avez dit beaucoup de choses qui me donnent à réfléchir. Croyez-vous tout ce que je vous ai raconté, Monseigneur ? La voix et les yeux de Nina réclamaient calmement une réponse. Il la regarda pendant un long moment, et puis répondit de façon curieuse et définitive. Oui, Nina. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais je vous crois. Alors, vous veillerez sur le fils de Giacomo et le garderez de tout mal ? Je veillerai sur lui. Mais, tout en lui disant cela, sa conscience le défiait. Comment ? Au nom de Dieu. Comment ? Fin du chapitre 12. Et fin de la lecture de ce soir. Aïe, je... Comment ça va, les gens ? Est-ce que la lecture a été assez fluide de ce soir ? Ça va et toi ? Je suis en train de fondre. Je suis en train de couler sur ma chaise. Mais ça va. Ça va. Je suis quand même bien content d'avoir fini ces trois chapitres. J'espère vraiment la semaine prochaine pour avoir un peu plus de fraîcheur. La température baisse dehors, mais dans l'appart fait encore chaud. Tu m'étonnes. Ça va prendre 2 jours, je pense, pour que l'atmosphère soit un peu plus fraîche. Moi, j'ai hâte d'être à demain parce que j'en peux vraiment plus. J'arrive pas à me reposer l'après-midi. Je dors. C'est limite si je dors pas les yeux ouverts que je reste pas éveillé. Et les nuits, j'en parle pas. Je m'en vais me coucher à minuit, à 4h du matin, je suis réveillé. Quoi. Donc, ouais. Wow, en même temps, ça change pas d'habitude. Merci pour le pat-pat. Bon, et ben du coup, ça y est, on a fini la lecture pour ce soir. Il nous reste 3 chapitres. Juste 3 chapitres pour finir ce livre. Il est beaucoup plus long quand même que le premier, hein, que le salaire de la peur. Hein. Pourtant, il y avait un peu moins de pages. Mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'être venu, Sako. Merci, Doc. Merci, Wania. Merci, Niki. Merci, Mila. Je vous promets rien pour demain, mais j'espère quand même vous retrouver demain pour Pokémon Stadium. Normalement, je crois que c'est Pokémon Stadium. Et sinon, on verra du coup en fonction de la chaleur comment ça se passe. Bref, essayez de vous rafraîchir comme vous pouvez, même si vous avez de la chance parce que vous avez de l'orage. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis dispo sur Discord d'ici une quinzaine de minutes, le temps de me rafraîchir un petit peu, de me désaltérer. Et puis, moi, je vous retrouve certainement à demain. Passez une bonne soirée, un bon courage, portez-vous bien, et à demain. Ciao, bye bye.